Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la playlist La licence Resident Evil Biohazard. Donc après avoir donné les définitions et les œuvres de ce qui est canon, semi-canon et non-canon, on va faire un point sur l'entièreté de la licence avec des tas de chiffres. Voilà, je vous préviens, hein, il y aura tellement de tableaux, vous allez vous croire dans un musée. Et on va commencer déjà voilà, avec un petit récap des œuvres vues dans les trois vidéos précédentes. Et voilà, on va les numéroter en quelque sorte. Vous allez voir tout cela. Donc on va partir pour la première section. On y va, petite transition. Pour commencer avec voilà, ce petit résumé des œuvres qu'on avait vu dans les trois premières vidéos, on va faire déjà un petit décompte globalement de combien il y a d'œuvres canon, semi-canon et non canoniques. Et du coup, voilà, un nombre total des œuvres. Je vais commencer par vous dire les chiffres en gros et je décrypterai tout cela ensuite. Donc, pour petite précision, les chiffres sont datés de mars 2024, donc voilà, si vous regardez dans le futur, il y aura sûrement d'autres œuvres qui sont sorties potentiellement à ce moment-là. Mais voilà, c'est tout daté de mars 2024 pour tous les chiffres que vous allez voir dans cette vidéo-là. En termes d'œuvres canoniques au minimum, voilà, je préciserai parfois au minimum, parfois environ, parce qu'il y a soit bah, des œuvres que j'ai potentiellement oubliées, ou soit des œuvres que certains ne comptent pas vraiment comme des œuvres, donc c'est pour ça, ça permet d'avoir un ordre d'idées globalement. En termes d'œuvres canoniques au minimum, on en a 50. Il y a 27 jeux vidéo, dont des démos et expériences VR. 5 films et séries, 13 livres documents, 2 pièces de théâtre, une attraction et 2 campagnes promotionnelles dont un trailer, notamment celui de Resident Evil Révélation qui contient de l'histoire. Donc c'est pour ça que je le compte en termes d'œuvres canon. Certains vont pas le compter, voilà, par exemple pour donner un ordre d'idée. En œuvres semi-canoniques, au minimum on en a 13. Il y a 2 jeux vidéo dont des mots et VR. Film série, 5 livres documents et 5 dramas albums. En termes d'œuvres non canoniques, au minimum on en a 97, 24 jeux vidéo dont les jeux mobiles démo, 8 films série, 30 livres documents, 2 pièces de théâtre, 4 attractions, 24 campagnes promotionnelles dont les pubs pour des jeux, promos, voilà tout cela, un drama album et 4 jeux de société. Quand on additionne tout ça, ça nous donne un total, or là ce qui est très cool c'est que ça fait un petit chiffre rond, c'est très beau, un total au minimum de 160 œuvres uniques dans voilà, la licence Resident Evil Biohazard. Pour décrypter tout ça, donc voilà comment j'ai compté. Voilà comment j'ai compté tout cela. Donc comme je vous l'ai dit, 50 œuvres canoniques au minimum, dont 27 jeux vidéo. Donc voilà, comme vous allez voir, j'ai tout numéroté en liste. Resident Evil 96, Resident Evil 2 98, Resident Evil 3 Nemesis 199, Resident Evil Survivor. Alors, je sais pas pourquoi, parfois j'ai placé 2000, parfois pas. En vrai, il n'y a même pas besoin de le passer le 2000. Hop, voilà, on fait une petite update en pleine vidéo. Resident Evil Code Veronica, Survivor 2 Code Veronica, Resident Evil 2002, Resident Evil 0, Dead Aim, Outbreak File 2, Resident Evil 4 Original, The Umbrella Chronicles, Resident Evil 5, The Dark Side Chronicles, Révélation, Resident Evil 6, Révélation 2, la démo Kitchen de RE7, Umbrella Corps, Resident Evil 7 Beginning Hour, la démo, Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 Remake, 2019, Resident Evil 3 Remake 2020, Resident Evil 8 Village et Resident Evil 4 Remake 2023. En film et série, on en a 5, donc Resident Evil Dégénération qui est un film CGI, Resident Evil Damnation qui est un film CGI, Resident Evil Vendetta qui est un film CGI, Resident Evil Infinite Darkness qui est une série CGI et Resident Evil Death Island un film CGI. En termes de livres et documents, on a le rapport de Wesker qui est un document, le rapport de Wesker 2 qui est un document, le rapport d'urgence qui est un document, le Biohazard 4 Incubate qui est un document, Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall qui est un manga, le rapport supplémentaire de Wesker qui est un document, le rapport d'Angela qui est un document, le rapport de Jessica qui est un document, Resident Evil Marawa Desire qui est un manga, Resident Evil Heavenly Island qui est un manga, Biohazard Vendetta qui est un roman, Resident Evil Infinite Darkness The Beginning qui est un comics, et Biohazard Death Island qui est un manga. Ensuite, en pièce de théâtre, on en a 2, donc il y a Biohazard The Stage et Biohazard The Experience. En attraction, nous avons Biohazard Walk Through the Fear. Et en campagne promotionnelle dont trailer, on a le bureau informatique du BSA et Resident Evil Révélation avec un des trailers. A tout cela, voilà, comme je vous avais parlé, on peut rajouter les informations contenues dans des guidebooks, dans des interviews, et certains contenus inclus dans les 11 pachislots. Je vais y arriver.
En termes d'œuvres semi-canoniques, au minimum, on en a 13. Donc, comment j'ai compté tout cela? Il y a deux jeux vidéo, donc démo Expérience VR. Donc, il y a Biohazard Vendetta Z Infected Experience et Resident Evil Resistance. En film, série, il y en a un, donc avec le... Ouais, moi, je vais appeler ça un film CGI, mais certains pourraient dire un court-métrage Biohazard 4D Executeur. En termes de livres-documents, nous avons les lettres de George Trevor l'architecte, qui est un document. Biohazard The Wicked North Sea, qui est un roman. Le journal de Rebecca, qui est un document. Biohazard Umbrella Chronicle Side A et B, qui, est un qui sont des romans, puisqu'il y en a deux. Biohazard Damnation, qui est un roman. En termes de drama album, on en a 5. Voilà, donc on a Biohazard Drama Album The Doom and Raccoon City Volume 1, Biohazard Drama Album The Doom and Raccoon City Volume 2, Biohazard Drama Album The Doom and Raccoon City Volume 3, Biohazard 2 Drama Album The Little Runaway Sherry et Biohazard 2 Drama Album The Female Spy Adult Leaves. Et encore une fois, on peut prendre en termes de semi-canon des petites informations qui peuvent se trouver dans les patchy slots, comme par exemple, ce qui n'est pas jamais montré dans Vendetta, mais qui est montré dans le patchy slot, c'est qu'il y a la potentiel. La présence d'animaux zombies voilà, qui sont trouvables dans le pachislot de Vendetta mais qui ne sont pas dans le film et je ne crois pas dans le roman non plus mais voilà, qu'on peut potentiellement prendre parce que rien ne dit que on ne les a pas. Bref, il y a de l'ambiguïté. Mais ça, pour ça, je vous renverrai vers la vidéo sur le semi-canon pour voir un peu la définition de tout cela. Et en termes d'œuvres non canoniques, donc comme je vous en ai compté un minimum de 97, en termes de jeux vidéo nous en avons 24. Il y a Biohazard High Survivor qui est un jeu mobile, Biohazard Zombie Shooter qui est un jeu mobile, Biohazard Zombie Buster qui est un jeu mobile, Resident Evil Gaiden qui est un jeu sur Game Boy, Resident Evil Assault The Nightmare qui est un jeu mobile, Resident Evil Confidential Report File Number 1 qui est un jeu mobile, Resident Evil The Missions qui est un jeu mobile, Biohazard The Stories qui est un jeu mobile, Resident Evil Confidential Report File 2 qui est un jeu mobile, Resident Evil Confidential Report File 3, je vais y arriver à parler anglais, je sais qu'il est un jeu mobile, c'est compliqué quand t'es malade avec le nez bouché, Resident Evil Confidential Report File 4 qui est un jeu mobile, Biohazard The Operations qui est un jeu mobile, Biohazard The Episode qui est un jeu mobile, Resident Evil Genesis qui est un jeu mobile, Resident Evil Degeneration qui est un jeu mobile, Resident Evil Uprising qui est un jeu mobile, Biohazard Survival Door qui est un jeu mobile, Resident Evil Mercenaries VS qui est un jeu mobile, Resident Evil The Mercenaries 3D qui est un jeu sur Nintendo 3DS, Biohazard Outbreak Survive qui est un jeu mobile, Resident Evil Operation Raccoon City qui est un jeu vidéo globalement, Minato Biohazard Clan Master qui est un jeu mobile, Minato Biohazard Team Survive qui est un jeu mobile, et Resident Evil Reverse qui est un jeu globalement. En termes de films et séries, on en a 8. Donc il y a le premier film live action Resident Evil, Resident Evil Apocalypse qui est un film live action, Extinction live action, Afterlife live action, Rétribution live action, Chapitre final live action, Bienvenue à Raccoon City, un film live action encore une fois, et pour terminer, la petite série live action Resident Evil qui est trouvable notamment sur Netflix. Et nous avons également 30 documents ou livres. Donc il y a Resident Evil numéro 1, le comics, notamment de chez Marvel, Biohazard The Beginning ou Resident Evil The Book, qui est un roman, Biohazard 2, le manoir, les manoirs, Resident Evil volume 1, le comics, Resident Evil La Conspiration d'Umbrella, le roman, La Crique de Caliban, roman, La Cité des Morts, roman, Resident Evil aux Portes de l'Enfer, roman, Biohazard 3 Last Escape, manoir, Biohazard 3 Supplemental Edition, manoir, Biohazard Code Veronica, manoir, Resident Evil Nemesis, roman, Resident Evil La Glace et le Feu, comics, Resident Evil Code Veronica, roman, Biohazard Rose Blanc, un roman, Biohazard To The Liberty, roman, Resident Evil, roman, adapté du film, The Black Winged Resident, un roman, Biohazard, un roman, Biohazard Zero, un manoir, Resident Evil Genesis, Apocalypse, Zero Hour, Extinction, des romans, Resident Evil Volume 2, un comics, The First Missions, un web manga, Resident Evil Retribution, un roman, Biohazard The Toon, webcomic, Bio Illustrated, essai, webcomic, et Resident Evil The Final Chapter, un roman. En pièce de théâtre, nous en avons deux, donc Bioroid Year Zero et Musical Biohazard Voice of Gaia. En attraction, on en a 4, là je précise bien au minimum parce que je suis sûr d'en avoir oublié. Resident Evil Bio Terror, Biohazard Valiant Red, Biohazard Z Extreme et Resident Evil 2 Infected Hong Kong.
En termes de campagne promotionnelle, donc pub et les jeux pour la promo, donc on en a 24 au minimum, parce que là aussi j'en ai potentiellement oublié. Et en termes de campagne promotionnelle, il y a des gens qui ont peut-être inclure certains autres trailers, comme moi par exemple, je mets en premier le Biohazard 2 TVCM, qui est du coup le trailer en live action qu'il y avait eu pour Biohazard 2 original, mais voilà, il y a sûrement eu d'autres trailers entre temps, live action, tout ça, qui peuvent être inclus là-dedans également. Mais ça voilà, peut-être qu'un jour je remettrai à jour la vidéo et je mettrai voilà ceux que j'ai oubliés ou ceux que je pourrais trouver entre temps. Donc comme je vous l'ai dit, Biohazard 2 TVCM, Zombie Shooter Gallery, Resident Evil Outbreak, le jeu site web, le tvirus.co.uk, qui était un petit site web de mémoire, mais ça on reviendra dessus sur tout ce qu'est ces œuvres-là. Chainsaw Maniac, Convoy Game, Resident Evil 5 Viral Campaign, même si là il y a eu des petits débats dernièrement sur sa canonicité ou pas, moi personnellement je continue de le maintenir dans mon canon. À la rigueur on pourrait le mettre dans semi-canon vu qu'il y a de l'ambiguïté. Zombie Singles, point de vue de Léon, Claire, Steve et Jack, Bio 4 Official, The War on Horror, Inserted Evil, Queen Zenobia Cruise Line, No Hope Left, Street Invasion, Undead Unleashed, Bio 5 Official, Raccoon City Contagion, Raccoon City Re-Contagion, Escape for Halloween, The Merchant's Quest, Play in Bio Village, Baby Eagle is Missing, Leon and the Mysterious Village. En drama album, on en a un, donc Biohazard The Tragedy of Makoba Village. Et nous avons 4 jeux de société, donc Resident Evil The Deck Building Game, Resident Evil 2 The Board Game, Resident Evil 3 The Board Game, Resident Evil The Board Game. Et après, voilà, il y a tout ce qui est les crossovers avec d'autres jeux, licences et œuvres. Donc voilà, voilà pour tout cela, pour ce gros résumé de tout ce qui est les œuvres. Et là, le prochain, on va parler de tout ce qui est en termes de version de ces œuvres-là, pour faire un décompte, voilà, des versions. Voilà, donc petite transition encore une fois, et on se retrouve dans quelques petits instants. Le deuxième point que l'on va évoquer, comme je vous l'ai dit, c'est le nombre de versions des œuvres Resident Evil Biohazard que l'on a. Donc, comme pour la première partie, je vais vous faire à chaque fois un petit récap globalement, et ensuite on va revenir dans comment j'ai compté tout cela. Concernant, toujours daté de mars 2024, bien évidemment, les œuvres en version canonique, il y en a 144 au minimum, les versions semi-canoniques 13 et les versions non-canoniques 106, donc ce qui fait un total au minimum de 263 versions des œuvres Resident Evil Biohazard. Alors quand je parle de version, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est une version? Une version, en général, j'essaie de parler en termes de date de sortie. Voilà, un jeu qui a une date de sortie égale avec les autres, je vais les placer sur la même ligne, ça compte comme la même version. Après voilà, il peut y avoir des petites différences entre, et du coup à ce moment-là, je les disperserai. Donc là, comme vous pouvez le voir par exemple, avec Resident Evil 96, on en a au total 7 versions. Donc il y a la version PS1, la version PC, la version Saturn, la version PS1 Director's Cut, la version PS1 Director's Cut DualShock version, la version Nintendo DS avec Deadly Silence, et le jeu sur PSN qui est du coup la version Director's Cut. Pour Resident Evil 98, on en a 9, le jeu PS1 DualShock version exclu aux versions étrangères, notamment japonaises, le jeu sur Game.com et Tiger 99X, le jeu PC, le jeu sur Nintendo 64, le jeu sur Dreamcast Value Plus exclu au Japon, le GameCube et le PSN, Resident Evil 3, Nemesis, on en a 5, donc le jeu sur PS1, sur PC, sur Dreamcast, sur GameCube et sur le PSN, Survivor, on en a 2, donc la version PS1 et la version exclusive au Taiwan qui est sortie sur PC. Code Veronica, on en a 7, donc le jeu Dreamcast basique, le jeu Dreamcast en version Kanzenban, entre parenthèses X, exclu au Japon, sur PS2 en version X, sur GameCube en version X, le jeu sur Xbox 360 PS3 en version X HD Edition, le jeu sur PS4 en version X basique version PS2, et le jeu sur Xbox One vers la version X HD Edition de la Xbox 360. Survivor de Code Veronica existe en borne d'arcade et sur PS2. Resident Evil 2002, ou c'est le remake, sur GameCube, sur Wii, sur PS3, Xbox 360, sur PS4, Xbox One, PC et sur Switch. Donc ça fait 5 versions. Resident Evil 0, 4 versions. GameCube, Wii, PS3, 360, PS4, Xbox One, PC et Switch. Resident Evil Dead Aim, une fois sur PS2, Outbreak pareil, une fois sur PS2, Outbreak 2 pareil sur PS2, Resident Evil 4 original, donc 2005, il y a 11 versions, donc la version GameCube, PS2, mobile, PC, Wii, Zibo, PS3, Xbox 360 en version HD, de nouveau sur PC avec la Ultimate HD Edition, sur PS4, Xbox One, basé sur la Ultimate HD Edition, sur Switch, basé sur la Ultimate HD Edition, et sur MetaQuest 2, avec le mode VR. Resident Evil Umbrella Chronicles est sorti sur deux, il y a eu deux versions, donc sur Wii et sur PS3. Resident Evil 5, on en a 7 versions.
PS3, Xbox 360, la version PC, la PS3, Xbox 360 via la Gold Edition, sur PC via la Gold Edition, sur TV Android Shield via la Gold Edition, PS4, Xbox One, version complète, et Nintendo Switch, version complète. Darkseid Chronicles, il y a deux versions, la Wii et la PS3, Révélation 1, il y en a 3, donc la version 3DS, la version PS3 360 et Wii U PC, et la version PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Resident Evil 6, on en a 4, donc la version PS3, 360, PC, PS4, Xbox One et Switch. Resident Evil Révélation 2, on en a 3, donc PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, PS Vita, Switch. Démo VR, on en a une seule, voilà, pour Kitchen, avec la démo sur PS4. Umbrella Corps, il y a une version avec la version PS4 PC. Beginning Hour, la démo, et c'est sorti sur PS4, Xbox One, PC, donc voilà, une seule version. Resident Evil 7 Biohazard, il y a au total 8 versions, donc il y a le jeu sorti sur PS4, Xbox One, PC, la version Gold Edition sortie sur la même plateforme, la version Grotesque Edition sortie uniquement au Japon sur ces mêmes plateformes, la Grotesque Edition a également eu une Gold Edition sortie exclusivement encore une fois au Japon sur ces mêmes versions, il y a eu Nintendo Switch en cloud exclu au Japon de base, la Stadia anciennement en 2021, la version mise à jour next-gen sur PS5, Xbox Series SX en 2022 et la version Switch en cloud qui prend ici la Gold Edition en 2022. Resident Evil 2 2019, il y a 5 versions avec voilà, PS4, Xbox One, PC, il y a la Z version exclue au Japon, il est également sur Amazon Luna en 2022, sur PS5, Xbox Series SX en 2022 via la mise à jour Next Gen et sur Switch en cloud en 2022. Resident Evil 3 2020, 5 versions, pareil que Resident Evil 2 2019, voilà, c'est les mêmes sorties sur les mêmes plateformes. Maiden, il y en a une seule via la démo exclue sur PS5. Resident Evil 8 Village a eu 8 versions, donc il y a la version basique sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et sur PC. Cette version-là a été sortie également en Z version au Japon, sur Stadia anciennement. Il y a eu ensuite la Gold Edition sortie sur les mêmes plateformes, la Z version a également eu sa Gold Edition sortie sur les mêmes plateformes. Il y a le jeu sorti sur Mac, sur Nintendo Switch en cloud via la complète Gold Edition. Et sur iPhone 15 Pro en 2023. Resident Evil 4 2023 a 3 versions, de ce que moi j'ai compté. Il y a le jeu basique sorti sur PS4, PS5, Xbox Series XS et sur PC. Sur iPhone 15 Pro et Mac en 2023. Et sur PS5, Xbox Series, PC via la Gold Edition en 2024. Dégénération, Damnation, Vendetta, Infinite Darkness et Death Island, il n'y a qu'une version de chacun de ces films-là, ou séries. Le rapport de Wesker, il y a 4 versions, donc il y a le document vidéo en DVD, le document écrit dans le Wesker's Report File de la Collector's Box, le document écrit dans le Biohazard / Resident Evil Archive numéro 2, et le document vidéo in-game dans la version Biohazard HD Remaster uniquement sortie au Japon. Le rapport de Wesker 2, c'est globalement les mêmes choses, donc il avait été écrit sur un site officiel de Biohazard 2002 et dans un guidebook, écrit dans le Wesker's Report File de la Collector's Box, écrit partiellement dans Resident Evil Umbrella Chronicles, écrit dans Biohazard / Resident Evil Archive numéro 2 et en document vidéo in-game de Biohazard HD Remaster uniquement au Japon. Le rapport d'urgence qui est écrit dans un guidebook de Biohazard 2002, Biohazard 4 Incubate qui est un livret plus DVD sorti en 2006, Biohazard Umbrella Chronicles Spirit of the Fall, un manga en deux parties en 2007, donc voilà une version. Deux versions du rapport supplémentaire de Wesker parce qu'il est écrit dans un livret exclu à une édition de Biohazard Umbrella Chronicles et il est également écrit dans le Biohazard Resident Evil Archive numéro 2. Le journal d'Angela est écrit dans le collecteur de Biohazard Degeneration et du coup dans le Biohazard Degeneration Visual and Scenario Archive, donc voilà ça fait deux versions. Le rapport de Jessica, une seule version via le document vidéo en DVD. Marawa Desire et Heavenly Island, il n'y a qu'une seule version voilà, du manga. Une seule version également du roman de Biohazard Vendetta. Resident Evil Darkness The Beginning, il y a deux versions parce qu'il y a les comics sortis en 5 numéros, plus le gros comics qui va inclure les 5 numéros en un seul. Pareil pour Biohazard Death Island, c'est sorti en 11 numéros en termes de web manga, mais il y aura un manga qui reprendra les 11 numéros en un seul.
Il y a une seule version de The Stage, de The Experience et de l'attraction VR by Yozard Walk Through the Fear. Deux versions pour le bureau informatique du BSA avec voilà, le site informatique sorti en 2009 et certains documents sont trouvables dans le Biohazard Restable Archive numéro 2. Et pour terminer, le Restable Révélation Extended Trailer a une seule version via un seul trailer. Concernant les versions semi-canoniques, au minimum du coup 13, une version pour Biohazard Vendetta Z Infected d'expérience, voilà, donc une petite expérience VR exclue au Japon, une version de Restable Resistance sortie sur PS4, Xbox One, PC, parce qu'en mise à jour next-gen, il n'y a pas de différence, donc voilà, ça reste exactement le même jeu. Biohazard 4 d'Exécuteur, le court-métrage CGI, film CGI, exclu au Japon, il n'y a qu'une seule version. Les lettres de George Trevor l'Architecte, il n'y a qu'une seule version officielle, parce que voilà, dans les documents, le document était trop dans les fichiers du jeu de mémoire, il avait été supprimé pas longtemps avant la sortie du jeu, mais voilà, officiellement, il n'y a qu'une seule version de les trouver via le Biohazard The True Story Behind Biohazard. Weekend Northin est un roman avec une seule version. Le Journal de Rebecca, il n'y a qu'une seule version écrite dans le Resident Evil Zero Official Strategy Guide. Biohazard Umbrella Chronicles et Daibé, il n'y a qu'une seule version des deux romans. Biohazard Damnation, une seule version du roman. Et après tout ce qui est les dramas albums, il y a également une seule version de chacun. Les versions non canoniques, donc voilà, concernant tout ce qui est les jeux, tout cela. Biohazard Survivor, il n'y a qu'une seule version. Zombie Shooter, qu'une seule version. Zombie Buster, il y a deux versions, donc il y a la version sortie en 2001 et la version sortie en 2011, qui est comptée comme un remake du jeu. Gaiden, une seule version. Assault the Nightmare, pareil. Confidential Report, pareil. The Missions, il y a deux versions, il y a une version 2D et une version 3D. The Stories, une seule version. Report File 2, Confidential Report File 2, une seule version. Confidential Report File 3 et 4, pareil. Operation, pareil. Episode, pareil. Genesis, pareil. Dégénération, pareil. Uprising, pareil. Sorry Holder, pareil. Mercenaries VS et Mercenaries, pareil. Une seule version. Outbreak Survive, une seule version. Operation Raccoon City, il y a deux versions. Il y a le jeu sorti sur PS3, Xbox 360 et PC en 2012. Et il est également disponible sur Xbox One via le jeu en version 360, mais qui l'améliore un peu en termes de visuel tout cela. Minato Biohazard Clan Master, Team Survive, il n'y a qu'une seule version. Reverse, il n'y a qu'une seule version, donc sorti à la fois sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC en 2022. Les films live action, il n'y a qu'une seule version de chacun, donc le premier, Apocalypse Extinction, Afterlife, Rétribution, chapitre final, Bienvenue à Raccoon City, et la série Netflix, qui est une seule version. Resident Evil, le comics de Marvel, il n'y a qu'une seule version. Biohazard The Beginning ou Resident Evil The Book, il y a deux versions, donc il y a la version apparue dans le Biohazard The True Story Behind Biohazard qui s'appelle du coup Biohazard The Beginning, et il y a le roman Resident The Book, donc voilà, deux versions. Biohazard 2, le manoir, il n'y a qu'une seule version. Le Resident Evil Volume 1, il y a trois versions, donc il y a le comics en 5 numéros, il y a des extraits dans le Resident Evil Collection 1 et des extraits dans le comics recueil Resident Evil Fire and Ice. Les romans Conspiration, Cric de Caliban, Cité des Morts et Aux Portes de l'Enfer, qu'une seule version. Le Biohazard 3 Last Escape, Manua, qu'une seule version. Le Biohazard 3 Supplemental Edition, qu'une seule version. Biohazard Code Veronica, il y a deux versions. Donc il y a le Manua sorti en 18 numéros en 2000. Et en 2002, ils ont adapté les Manua en version comics par Wildstorm. Donc voilà, ça fait deux versions. Resident Evil Nemesis, une seule version du roman. Resident Evil La Glace et le Feu, il y a deux versions, donc il y a les 4 comics sortis chacun à leur tour, et ensuite le recueil des 4. Resident Evil Code Veronica, il n'y a qu'un seul roman. Biohazard Blanc, Rose Blanc, To the Liberty, le roman du premier film d'Anderson, Black Winged Resident, Biohazard, Biohazard Zero, Genesis, Apocalypse, Zero Hour, tout ça en une seule version. Resident Evil Volume 2, il y a deux versions, donc il y a le comics en 6 numéros et le recueil incluant les 6 numéros. The First Mission, il y a une version. Resident Evil Retribution, une version. The Toon, une version. Illustrated Essay, une version. Final Chapter, une version. La pièce de théâtre bio, Year Zero et Musical Biohazard Voice of Gaia, une seule version. Les attractions Bioterror, Valiant Red, The Extreme, The Infected et Hong Kong, une seule version chacun. Là, tout ce qui est
Les spots publicitaires, les jeux sur suite web, tout ça, il n'y a qu'une seule version pour Biohazard 2 TVCM, Shooting Gallery, Restel Outbreak, tvirus.co.uk, Chains of Maniac, Envoy Game, Restel 5 Viral Campaign, Zombie Singles, Point de vue de Léon, Claire, Sherry, Steve et Jake, Bio 4 Official, The War on Horror 1, Uncharted Devil 1, Queen Zenobia, No Hope Left, Street Invasion, Undead Unleashed, Bio 5 Official, Restel Contagion, Raccoon City Contagion, Raccoon City Recontagion, Escape for Halloween, The Merchant's Quest, Play in Bio Village, Baby Eagle is Missing, Leon in the Mysterious Village, et ensuite bah, le drama album Biohazard the Tragedy of Macoba Village, je vais y arriver, une seule version, et pareil pour les jeux de société, il y a également une seule version différente. Donc voilà pour comment j'ai décrypté tout ça pour en termes de version. Donc pour en revenir, parce que j'ai pas vu ça pour l'autre, mais du coup sur les 160 œuvres, on chacune au total, du coup on a 263 versions de ces 160 œuvres au total. Voilà pour tout cela. La prochaine qui va être beaucoup plus grosse, ça va être en termes de produits. Alors qu'est-ce que je parle de produits, je vous expliquerai tout cela juste après. Donc on va y aller maintenant. Pour le troisième point, on va parler du nombre de produits des œuvres Resident Evil Biohazard, donc encore une fois daté de mars 2024. Qu'est-ce que j'ai en idée quand je parle de produits, c'est-à-dire en combien de fois on peut compter les exemplaires de chaque œuvre, de chaque version. Donc en termes de produits canoniques, au minimum on en a 238. En termes de produits semi-canoniques, au minimum on en a 16. En termes de produits non canoniques au minimum, on en a 379, ce qui nous donne un total de produits au minimum à 633. Donc, ce qui fait beaucoup. Et comment j'ai compté tout cela? Donc on va se retrouver avec les mêmes tableaux, que les mêmes chiffres qu'on a eu la partie d'avant, sauf que certains vous allez voir que ça a changé. Donc pour Resident Evil 1 original, ça n'a pas changé, on est toujours à 7, parce que du coup il y a la version PS1, la version PC, la version Saturn, la version PS1 Director's Cut, la version PS1 Director's Cut DualShock version, la version DSL, la version DLSL, quoi, et la version PSN. Là où ça change, par exemple, c'est Resident Evil 98, on en a 10 produits, parce qu'on a le jeu sur PS1, le jeu sur PS1 DualShock version, le jeu Game.com, le jeu Tiger 99X, le jeu PC, le jeu Nintendo 64, le jeu Dreamcast Value Plus, exclu Japon, le jeu Nintendo GameCube et le jeu sur PSN. Resident Evil 3, Nemesis, 5 produits, donc PS1, PC, Dreamcast, Nintendo GameCube et PSN. Resident Evil Survivor, 2 produits, donc voilà, sorti sur PS1 et sur PC. Resident Evil Code Veronica, on en a 8 produits, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versions. On a le jeu sur Dreamcast, version Kanzenban, PS2, version X, GameCube, le produit Xbox 360 et le produit PS3. Voilà, donc là déjà ça sépare en deux. Le produit PS4 et le produit Xbox One. Survivor 2, on a le produit Born Arcade et le produit PS2. Resident Evil 2002, donc Resident Evil Remake, il y a 8 produits en tout, donc il y a le jeu sur GameCube, le produit sur Wii, le produit sur PS3 et le produit sur 360, le produit PS4, le produit Xbox One et le produit PC, et pour terminer, le produit sur Switch. Pour Resident Evil 0, c'est pareil, sur GameCube, sur Wii, sur PS3, sur 360, sur PS4, sur Xbox One, sur PC et sur Switch. Dead Aim, on a un seul produit, pareil pour Outbreak 1, pareil pour Outbreak 2. Resident Evil 4 a 13 produits, donc du coup sur GameCube, sur PS2, sur mobile, sur PC, sur Wii, sur Zibo, sur PS3, sur Xbox 360, sur PC, sur PS4 et Xbox One, sur Nintendo Switch et sur MetaQuest 2. Voilà, pour les 13 versions, contrairement à, on en avait 11 versions et 13 produits. On a 2 produits Umbrella Chronicles avec la version Wii et la version PS3. Resident Evil 5 a en tout 10 produits, donc la version PS3 basique, 360 basique, PC basique, la PS3 Gold Edition, 360 Gold Edition, PC Gold Edition, la TV Android Shield, la PS4, la Xbox One et la Switch. Darkseid, le produit sur Wii et le produit sur PS3. Révélation, il y a le produit sur 3DS, sur PS3, sur 360, sur Wii U, sur PC, sur PS4, sur Xbox One, sur Switch. Donc ça fait un total de 8 produits et 3 versions. Resident Evil 6 en tout il y a 6 produits, la PS3, 360, PC, 4, One et Switch. Révélation 2 en tout on en a eu 7 produits, PS3, PS4, Xbox One, 360, One, PC, PS Vita et Switch.
Kitchen, on a un seul produit avec la démo en VR. Umbrella Corps, on avait une version, mais du coup deux produits, parce qu'il est sorti sur PS4 et sur PC. Beginning Hour a trois produits, avec sa démo sur PS4, sur One et sur PC. Resident Evil 7 Biohazard a 17 produits. Donc la version basique sortie sur 3 plateformes, la version Gold Edition sortie sur 3 plateformes, la version Grotesque Edition basique sur 3 plateformes, la version Grotesque et version sur, Gold Edition sur 3 plateformes. C'est très compliqué. Switch sur la version basique en cloud au Japon. Sur Stadia anciennement, mais faut toujours la compter parce qu'il faut pas l'oublier, que la version a existé. Il est inclus dans les 17 produits. PS5 Series XS, parfois je mets SX, je sais pas pourquoi j'inverse, c'est bizarre. Via la mise à jour Next Gen, donc du coup ça fait deux produits. Et pour terminer, la version Gold Edition sur Switch en cloud. Resident Evil 2 2019 a 10 produits au total, donc 3 versions basiques, 3 versions Z version, la version Amazon Luna, 2 versions via mise à jour Next Gen, et sur Switch, pour faire la 10ème petite version. Pareil pour Hero 3 Remake, Hero 3 2020, c'est la même limonade. Maiden, la démo Maiden est disponible sur une seule plateforme, donc du coup on a un seul produit. Resident Evil Village a 24 produits. parce qu'il est sorti sur 1, 2, 3, 4, 5 plateformes en 2021 version basique. Ces 5 plateformes de nouveau en version Z version. Là, le jeu sur Stadia anciennement, mais qui est toujours comptable. La Gold Edition sur les 5 plateformes. La Z version Gold Edition sur les 5 plateformes. Là, le produit sur Mac, sur Switch en cloud et sur iPhone 15 Pro. Resident Evil 4 2023, Resident Evil 4 Remake a 10 produits, donc sortis sur PS4, PS5, Xbox Series XS et sur PC, sur iPhone 15 Pro et sur Mac, et sur les plateformes que je vais évoquer plus haut, mais en version Gold Edition également en 2024. Les films d'animation, il y a un produit de chaque. Le rapport de Wesker, 4 produits, comme je vous l'avais dit. Rapport de Wesker 2, 6 produits. Contre 5 versions, parce qu'il est sur le site et le guidebook, donc voilà où il y a une version en plus. Le rapport d'urgence, un produit. Biohazard 4 Incubate, un produit. Biohazard Umbrella Chronicles, du coup il y a deux produits, vu que c'est un manga en deux parties. Le rapport supplémentaire de Wesker, deux produits. Le rapport d'Angela, deux produits. Le rapport de Jessica, un produit. Le Resident Evil Marawa Desire, 5 produits, parce qu'il y a 5 tomes. Resident Evil Island, il y a 5 produits parce qu'encore une fois 5 tomes. Resident Evil Vendetta, il y a un seul produit via le roman. Resident Evil Darkness The Beginning, il y a 6 produits, donc les 5 petits numéros plus le 6ème qui inclut les 5 en un seul. Biohazard Death Island, en tout il y a du coup 12 produits, les 11 petits numéros plus le manga qui récupère les 11 numéros en un seul. The Stage, The Experience Walk Through the Fear, un seul produit. Le bureau informatique du BSA, deux produits. Et l'Extended Trailer, un seul produit. Concernant les produits semi-canoniques, donc The Infected Experience, qui était sorti exclusivement sur PS4, un seul produit. Resistance, trois produits sur PS4, Xbox One et sur PC. Biohazard 4 d'Exécuteur, un seul produit. Architect, les lettres de Georges Trevor l'Architect, un seul produit. Weekend Northy, un seul produit. Journal de Rebecca, un seul produit. Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B, du coup deux produits, vu qu'il y a deux romans. Damnation, un seul produit, et puis les drames albums, un seul produit également. Voilà, super, il y a un camion qui passe. Et concernant les produits non canoniques, pour terminer le comptage des produits, nous avons Biohazard High Survivor Zombie Shooter en un seul produit, Zombie Buster en deux produits, vu qu'il y a l'original entre parenthèses et son remake, Gaiden un seul produit, Assault the Nightmare un seul produit, Confidential Report File 1 un seul produit, The Missions deux produits, Stories Confidential Reports 2, 3, 4, Operations, Episode, Genesis, Degeneration, Uprising, Survival Door, Mercenaries VS, Mercenaries 3D, Outbreak Survive, Tucson a un seul produit. Opération Raccoon City du coup a 4 produits, sa version PS3, la version 360, la version PC et sur Xbox One ça en fait 4. Biohazard Clan Master et Team Survive il y a un seul produit. Resident Evil Reverse il y en a 5, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC. Les films live action et la série live action, un seul produit.
Resident Evil numéro 1, le comics Marvel, un seul produit. Biohazard The Beginning, Resident Evil The Book, deux produits. Les Biohazard 2, donc le manhwa, il y en a 80 au total. Donc 60 numéros plus 20 numéros en Taïwan. Resident Evil Volume 1, en total, il y en a 7 produits. Donc les 5 numéros basiques, le Resident Evil Collector's One et du coup bah, les extraits qui sont inclus dans le Resident Evil Fire and Ice, ça en fait 7. Les romans d'S.D. Perry, donc notamment La Conspiration d'Umbrella, Cri de Caliban, Cité des Morts, Porte de l'Enfer, il y en a deux produits parce qu'il y a deux versions. Il y a la version avec la couverture basique et la version avec la couverture différente, dégueulasse là, basique. Biohazard 3, Last Escape, le manhwa, il y en a 25 produits parce qu'il y a 26 numéros mais il y a un double numéro donc du coup ça en fait 25 en format physique. Biohazard 3 supplémental, la même histoire, il y a 9 numéros, mais au total il y a 8 publications, donc du coup 8 produits. Biohazard Code Veronica, il y en a 22 au total, donc 18 manhwa et 4 comics. Resident Evil Nemesis, roman d'S.D. Perry, 2 versions. La glace et le feu, au total il y en a 5, donc les 4 petits numéros plus le recueil des 4 numéros. Resident Evil Code Veronica, il y en a 2, donc voilà, les romans d'S.D. Perry, il y a 2 versions, donc la version basique et l'édition sortie il y a 10 ans. Rose Blanc, Liberty, To the Liberty, le premier film d'Anderson, Black Winged Resident, Biohazard, il y a une version chacun. Le manhwa Biohazard 0, il y en a 6 numéros. Genesis Apocalypse 0, bah, du moins Genesis et Apocalypse, il y a un seul produit. Zero Hour, donc le dernier roman d'S.D. Perry, il y en a 2 éditions. Resident Evil Extinction, il y a un produit via le roman. Resident Evil Volume 2, il y en a 7, donc un comic sans 6 numéros plus le recueil des 6 numéros. The Missions, il y en a un produit, potentiellement deux, voilà, parce que sur le wiki, ils ont trouvé qu'il y avait une deuxième page, mais je sais pas si c'est inclus tout dans le même truc ou c'est pas précisé, donc actuellement j'ai précisé un, mais voilà, je me suis dit en vidéo, je vous préciserai qu'il y a potentiellement du coup deux produits pour The First Missions, qui est, voilà, ça je vous renverrai pour aller voir la vidéo sur le non-canon, je vous explique ce que c'est. Resident Evil Rétribution, il y a un seul roman. Biohazard The Toon, c'est un webcomic qui avait une sortie en 53 petits numéros, donc du coup bah, ça fait 53. Bio Illustrated Isses, pareil, c'est sorti en 10 planches, donc voilà, 10 produits. The Final Chapter, il y a un seul produit, de même que Bioroid Year Zero et que Musical Biohazard Voice of Gaia. Les attractions, voilà, qu'un seul produit en quelque sorte, hein, Bio Terror, Valiant Red, The Extreme et The Infected Hong Kong. Le spot publicité en live action, il n'y en a qu'un seul pour Biohazard 2 TVCM, donc un seul produit. Shooting Gallery, un seul. Outbreak, 1. TVirus.co.uk, 1. Chainsaw Maniac, 1. Convoke, 1. Resident Evil 5, Viral Campaign, du coup, vu qu'il y a 5 courtes vidéos, ça fait 5 produits. Qui étaient sortis à des dates différentes, tout ça, donc ça fait 5 produits. Zombie Singles, un seul. Le point de vue de Léon Clair, Steve et Jack, ça fait 4 produits parce qu'ils ont chacun leur compte Twitter, donc ça fait du coup 4 produits. Bio 4 Official, ça fait 1 produit. War on Horror 1, Uncharted Evil 1, The Queen Zenobia Crew is the Line 1, No Hope Left 1, Street Invasion 1, Zombie Undead Unleashed 1, Bio 5 Official 1, Resident Contagion 1, Recontagion 1, Escape for Halloween 1, The Merchant's Quest 1, Play in Bio Village, vu que c'est 4 petites vidéos sorties à des dates différentes, ça en fait 4. Baby Eagle is Missing, ça fait 1 site web. Leon and the Mysterious Village, ça fait 3 petites vidéos, donc du coup 3 produits. Biohazard, The Tragedy of Makoba Village, il y a un seul drama album, donc 1. Resident Evil, The Deck Building Game, il y a le jeu de base plus 4 extensions, ça fait du coup 5 produits. Resident Evil 2, The Board Game, il y a la boîte de base et 16 extensions, ça fait 17 produits. Resident Evil 3, The Board Game, au total il y a 12 produits parce qu'il y a la boîte plus 11 extensions. Et pour terminer, Resident Evil, The Board Game, il y a au total du coup 10 produits parce qu'il y a la boîte de base et 9 extensions. Donc voilà, et tout ça combiné, ça nous fait un total de 633 produits concernant la licence Resident Evil Biohazard. Voilà, donc je vous ai fait globalement toutes les heures en termes de, voilà, de le nombre d'œuvres, le nombre de versions et le nombre de produits. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails via des chiffres en vrac. Alors, ma version de moi ou tout ça va peut-être changer un minimum parce que je vais faire une pause entre temps. Bon, je vais faire une petite pause entre temps. Notamment la transition qui va arriver maintenant.
pour la partie 5, alors oui, du coup, comme je parlais de petits changements, au cas où j'ai pas coupé la transition d'avant, parce que voilà, je me suis un peu réduit, parce que les pages, là on va rentrer dans la zone avec tous les tableaux, et j'ai mis du coup les pages en format paysage plutôt qu'en format portrait, donc du coup c'est pour ça que je parlais de petits changements. Bref, la partie 4, ça sera concernant des chiffres en vrac, concernant les œuvres Resident Evil Biohazard, donc encore une fois datée de mars 2024, donc il y aura au total 12 points, donc quasiment 12 tableaux quoi. on va commencer avec le nombre d'œuvres vidéoludiques, le nombre de jeux de société, le nombre d'œuvres littéraires, le nombre de films et séries, le nombre de pièces de théâtre, drama, album, attractions, campagne promotionnelle, un listing de tous les crossovers que j'ai pu réunir, j'en ai peut-être oublié d'autres, dans ce cas-là, bah, voilà, je mettrai à jour si des gens m'en font remarquer d'autres que j'aurais oublié. Le nombre d'œuvres sans l'existence d'une version officiellement Resident Evil ou d'une version officiellement Biohazard. Le nombre d'œuvres avec le même nom. Et enfin, l'année avec le plus ou le moins de contenu Resident Evil Biohazard. Et tout ça pour un fichier de 65 pages. Donc autant vous dire qu'on va avoir de la lecture. Concernant le premier point, donc du coup le nombre d'œuvres vidéoludiques, j'ai fait un petit tableau que vous voyez très bien à l'écran. Voilà, donc un petit tableau. En gros, j'ai mis les plateformes, donc toutes les plateformes qu'on va traiter, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series SX, Saturn, Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy, GameCube, DS, 3DS, Wii, Wii U, Switch, PC, site web, MetaQuest 2, mobile, TV, Android Shield, Stadia, Luna, Zibo, Game.com, 99X et borne d'arcade. Voilà, ça, ce sera, ça c'est, voilà, il y a un RE au moins sur toutes ces plateformes là. Et à gauche, et ben, je vais vous mettre du coup les jeux vidéo RE en question. Et comme vous voyez, hop, j'ai mis des petits chiffres en dessous, une couleur en dessous, et les chiffres c'est en fonction des versions, comme on l'avait vu juste avant. Et bah, Resident Evil 96 par exemple avait 1, 2, 3, 4, 5, tac tac tac, et du coup voilà, c'est ça, 5, 6, 7, enfin, 7 versions, et c'est ce qu'on a là du coup, les 7 versions. Donc il y a 3 versions de RE1 sur PS1, une sur PS3, une sur Saturn, une sur DS et une sur PC. Alors ce tableau, ça a été la grosse galère à réaliser, parce que comme vous voyez, les cases sont ultra serrées, même en mettant la page en format paysage, donc c'était assez compliqué à faire. C'est pour ça que par exemple, je précise là, mais dans PC je compte les versions Mac. Et dans mobile, du coup, les versions, par exemple, iPhone 15 Pro pour RE4 Remake et RE8. Voilà, je le précise là, parce que vous, comme vous voyez, il n'y a pas marqué Apple ou truc comme ça, parce que bah, je me dis qu'un Mac, techniquement, c'est un PC, et qu'un iPhone 15, bah, c'est un mobile. Donc, dans l'idée, c'est des œuvres qui se retrouvent là-dedans. Resident Evil 2, voilà, vous avez la ligne. Resident Evil 3, vous avez la ligne. Resident Evil Survivor, vous avez la ligne. Code Veronica, vous avez la ligne. Tac tac tac, Survivor 2, vous avez la ligne. Resident Evil Remake 2002, vous avez la ligne. Resident Evil 0, je sais pas pourquoi j'ai mis un 2002 dessous. Vous avez la ligne. Dead Aim, vous avez la ligne. Outbreak 1, Outbreak 2. RE4 Original, Umbrella Chronicles, RE5, Darkseid. Pourquoi Darkseid il a une touque? Une ligne comme ça, je ne sais pas. Donc Darkseid, Révélation, RE6, Révélation 2, la démo d'RE7 Kitchen, Umbrella Corps, Beginning Hour, Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 2019, Resident Evil 3 2020, la démo Maiden de RE8, Resident Evil 8 Village, RE4 2023, ensuite Bayo Vendetta ZD Experience, ZD Infected Experience, Resistance, Biohazard I Survivor, Zombie Shooter, Zombie Buster, Gaiden, Assault the Nightmare, Confidential Report 1, The Missions, The Stories, Confidential Report 2-3-4, Operations Episode Genesis, Degeneration, Uprising, Survival Door, Mercenaries VS, Mercenaries 3D, Biohazard Survive, Outbreak Survive, Resident Evil Operation Raccoon City, Minato Biohazard Clan Master, Team Survive, et Reverse, Zombie Gallery Shooting. Donc là après, à partir de là, c'est tous les jeux qui sont sur le site web que de base je mets dans les campagnes promotionnelles. Mais là, bah, je les ai inclus là-dedans parce que bah, ça reste des jeux.
vu que je parle là en termes de jeux vidéo, de vidéo ludique, ça reste des jeux vidéo, donc même si c'était sur des sites web, j'ai créé la petite catégorie site web dans la listing, et voilà les noms. Et là du coup, paf, je vous ai fait via ce tableau-là une liste avec voilà combien il y a de jeux par plateforme et du coup le pourcentage comparé au total de toutes les apps vidéo ludiques pour calculer tout cela. Donc sur PS1, il y a 7 jeux Resident Evil, ce qui fait un total de 3%, 3,14% de jeux Resident Evil qui sont sur PS1. Sur PS2, il y en a 6, ce qui fait 2,69% des jeux vidéo Resident Evil qui sont voilà, sur PS2. Vous avez compris, hein. 15 sur PS3, ce qui fait 6,73%. 28 sur PS4, ce qui fait 12,56%. 11 sur PS5, soit 4,93%. 1 seul sur PS Vita, ce qui fait 0,45%. 10 sur Xbox 360, ce qui fait 4,48%. 24 sur Xbox One, ce qui fait 10,76%. 10 sur Xbox Series SX, soit 4,48% environ. Saturn, 1 seul, donc 0,45%. Dreamcast 5, soit environ 2,24%. Nintendo 64, un seul, donc 0,045%. Pareil pour Game Boy. GameCube, il y en a 6, donc environ 2,69%. DS, un seul, donc 0,45%. 3DS, il y en a 2, donc 0,90% environ. Sur Wii, il y en a 5, donc environ 2,24%. Wii U, 1. Voilà, Switch 12, donc 5,38%. Sur PC slash Mac, voilà, je voulais préciser là, il y en a 34 en tout des Resident Evil, ce qui fait 15,25%. Sur site web, il y en a 7, donc 3,14%. Sur MetaQuest 2, il y en a un seul. Sur, en jeu mobile, donc en Android, Apple, Tutti Quanti, il y en a 25, soit environ 11,21%. Hop, j'ai rien dit, c'est juste une erreur de truc. Vu que je suis malade, j'ai inversé le 11% là et le 11 jeu là-haut, mais bref. Donc voilà, donc jeu mobile Android, tout ça, il y en a 25, soit environ 11,21%. Jeu sur TV Android Shield, il y en a un seul. Sur Stadia, il y en a deux, soit environ 0,90. Amazon Luna, il y en a deux, soit bah, pareil. Zibo, un seul. Game.com, un seul. 99X, un seul. Et jeu borne d'arcade, un seul. Donc le total des œuvres vidéoludiques et leurs versions au minimum, ça fait 223, soit environ 35,20% des produits. Donc au produit, donc, il y en avait 633, et là du coup, sur les 633, il y en a 223 qui sont uniquement des jeux vidéo. Donc ça fait quand même beaucoup, ça fait un peu plus d'un tiers des œuvres. Et concernant bah, les œuvres vidéoludiques, on en a 60 pour 160. Donc ça fait bah, quasiment aussi un tiers des œuvres. Tout cela, et en petit bonus, je vous donne l'information qu'il y a au minimum 11 pachislots qui sont connus. Donc voilà, ça c'est la petite information bonus, mais voilà, pour ce qui est retenir quand même la formation, c'est quand même les gens qui disent Resident Evil c'est des jeux surtout, bah comme on voit là via les chiffres, Resident Evil en version jeu c'est un tiers des œuvres et c'est un tiers de tout le contenu, donc c'est on peut pas résumer une licence entière à juste un tiers. Donc voilà, pour vous deux, c'est ça qui est bien avec ce fichier-là, c'est que ça permet de resituer les choses. Et comme vous le voyez à l'écran, hein, je vous ai montré tout comment j'ai calculé et tout. Bah voilà, vous avez la réponse à l'écran que les jeux vidéo Resident Evil, c'est un tiers du total de la licence sur, avec tout ce que je vous ai montré sur les 160 œuvres et les 633 produits. Donc voilà, encore une fois, ça ne peut pas résumer à un tiers. Voilà, à bon entendeur. Ensuite, la deuxième catégorie, ça sera le nombre de jeux de société. Donc, en gros, il faut un petit tableau. Donc, les colonnes, vous avez bah, les jeux de société connus. Et là, après, le type de jeu de société. Donc, les jeux de cartes et les jeux de plateau. Donc, comme vous voyez, The Deck Building Game, c'est un jeu de cartes. Et les trois autres, c'est des jeux de plateau. Donc, en total, des jeux de société, au minimum, on en a 4. Ce qui fait 2,50% des œuvres, donc c'est pas beaucoup hein, comparé aux 30% concernant les jeux vidéo. Et en nombre de produits, ça fait 44, et du coup, bah, 44 produits, ça fait 7%. Donc voilà, les jeux de plateau sont très 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 dans le bas. Voilà,
Je vois ce que je peux rajouter de plus sur ça. Si potentiellement, d'ici fin 2024, il y aurait potentiellement un nouveau jeu qui devrait se rajouter. Un jeu d'une société espagnole qui développe un jeu basé sur. sur RE1. Alors sur RE1, et je crois que les images, ce sera surtout les concept art de RE1 96. Mais voilà, je les ai contactés il y a pas longtemps pour savoir s'ils comptaient toujours le faire, et pour eux, oui. Mais voilà, normalement, une société espagnole devrait sortir un jeu. Alors j'ai pas compris ce que c'était le jeu, ça a l'air d'être un espèce de jeu de plateau. Je sais pas si c'est un espèce de truc Monopoly ou un machin dans le genre là. Mais voilà, je vous en parlerai plus quand j'aurai plus d'informations, et je mettrai bah, mon fichier à jour, et normalement en commentaire, peut-être que je vous le rajouterai cela. Voilà. Ensuite, le nombre d'œuvres littéraires. Alors là, c'est la deuxième plus grosse catégorie. Si ce n'est pas la première, on verra avec le pourcentage, mais je crois que c'est pas loin des jeux vidéo, ou ça les dépasse un peu. Alors, concernant du coup comment j'ai rangé tout cela, j'ai rangé bah, voilà, la première colonne avec les types d'œuvres littéraires. La première colonne, les documents hors jeu, bien évidemment. Les romans, les comics, les mangas et les manhwa. Donc le rapport de Wesker, comme vous voyez à sa ligne, le rapport de Wesker 2, le rapport d'urgence, Biohazard 4 Incubate, Biohazard Umbrella Chronicles Spring to the Fall, le rapport supplémentaire de Wesker, le journal d'Angela, le rapport de Jessica, les Resident Evil Marawa Desire et Heavenly Island, Biohazard Vendetta, Infinite Darkness The Beginning, Biohazard Death Island, Lettre de George Trevor l'architecte, Biohazard Wicked Nursie, Journal de Rebecca, Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B, Biohazard Damnation, Resident Evil numéro 1, donc le comics Marvel, Biohazard The Beginning, Resident Evil The Book, voilà, Biohazard 2, le manoir, Resident Evil Volume 1, Resident Evil Conspiration d'Umbrella, Resident Evil Cric de Caliban, Resident Evil La Cité des Morts, Aux Portes de l'Enfer, Biohazard 3 Last Escape, Biohazard 3 Supplemental Edition, Biohazard Code Veronica, Resident Evil Nemesis, Resident Evil La Glace et le Feu, Resident Evil Code Veronica, Biohazard Rose Blanc, Biohazard To The Liberty, Resident Evil, le roman du film d'Anderson. The Black Winged, j'arrive jamais à le dire ce truc-là, il y a encore moins que le nez bouché. Resident, Biohazard Zero, Resident Evil Genesis, Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Zero Hour, Resident Evil Extinction, Resident Evil numéro 2. Alors ça c'est pas numéro 2, normalement c'est volume 2. Ouais, c'est volume 2 et pas numéro 2. Hop, petit update. Tac, c'est volume 2. The First Mission, Resident Evil Retribution, Biohazard The Toon, Bio Illustrated Essay, Resident Evil Final Chapter. Et là, le petit dernier qui est celui qui a le cul entre deux chaises, parce que le bureau informatique du BSA, de base, c'est un site pour promouvoir Hero 5, et bah, il sert également de document, donc il sera, vous le reverrez dans la section contenu promotionnel, mais voilà, c'est pour ça que là, je l'ai placé à la fin. Du coup, total d'œuvres littéraires par type. Donc au total, on a 20 documents hors jeu, 31 romans, 93 comics, 25 mangas et 137 manhwa. Alors là, je vous ai pas fait les pourcentages, pour m'en rendre compte. Ouais, j'ai pas fait les pourcentages. Au pire, je vais faire une petite coupure, je vais vous faire ça et je reviens dans 2 secondes. Hop, du coup, je vous ai fait ça rapidement. Donc les documents hors jeu 20, donc environ 6,54% des œuvres littéraires au total. Les romans qui sont à 31, ça fait environ 10,13% du total sur 306. Les comics, ça fait 93, donc environ 30,39% sur 306 œuvres littéraires. Les mangas 25, donc 8,17%. Et les manhwa, donc 137, soit environ 44,78% des produits littéraires. Au total des produits littéraires, comme je vous le disais, on est à 306, soit environ 48,34% des produits. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a plus d'œuvres à lire que de jeux vidéo. C'est ça. Et au total, il y a 48 œuvres littéraires, soit environ 30% des œuvres. Et du coup, je rajoute un petit bonus, l'extrait du bureau informatique du BSA. Donc voilà, 30% des œuvres, 30% des œuvres sont des œuvres littéraires, mais 48% des produits Resident Evil Biohazard sont des produits littéraires. Voilà, donc pour vous placer un peu tout cela. Et je rajoute en bonus que j'ai pu compter via mes recherches que j'ai pu faire rapidement 7 guides français au minimum en comptant uniquement les gros.
et 87 guidebooks ou guides en autre langue au minimum, encore une fois. Et tout ça en comptant que les gros ouvrages, pas les petits guides qu'on trouve par exemple dans les magazines, tout ça, parce que là, ça serait assez compliqué de trouver tout cela. Donc voilà, voilà pour ces informations-là concernant les œuvres littéraires. Ensuite, le nombre de films, séries, tout cela. Donc, un nouveau tableau. avec... Excusez-moi. Les œuvres Resident Evil à gauche, les films CGI, les séries CGI, les films live action et les séries live action. Dégénération, Damnation, Vendetta, Infinite Darkness, Death Island, Quête d'Exécuteur, le premier film Resident Evil d'Anderson, Apocalypse, Extinction, Afterlife, Rétribution, Chapitre Final, Bienvenue à Raccoon et la série Netflix. Donc en total des œuvres, il y en a 5. Il y a 5 films CGI, une série CGI, 7 films live action et une série live action. Donc un total pour les œuvres en film série leur version de 14, soit 2,20% des produits qui sont des films ou séries Resident Evil Biohazard. Et du coup on a 14 films et séries, soit environ 8,75% des œuvres qui sont des films ou des séries. Ensuite, les pièces de théâtre, donc du coup on en a 4 comme vous voyez, j'ai divisé en représentation et en musical, donc représentation ceux qui ont vraiment une histoire, tout ça, et puis musical, bah c'est dans leur nom, musical quoi, même si les musicals ont une histoire, je sais pas si vous saisissez un peu la subtilité qu'il y a entre une représentation et une musicale dans mon idée à moi. Du coup on a The Stage, The Experience, Bioread, Year Zero et Musical Biohazard Voice of Gaia. Donc ça nous fait deux représentations et deux musicales pour un total de pièces, d'œuvres théâtrales et leur version minimum de 4, soit environ 0,60% des produits, donc très 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 minime, et 4 pièces de théâtre, donc 2,50% des œuvres totales. Voilà, voilà, concernant les pièces de théâtre qui sont vraiment très minimes. En même temps, il n'y en a que 4 actuellement. Après, on ne sait pas depuis 2017, ils n'ont pas parlé si vous voulez en refaire d'autres. Les dramas albums. Donc, j'ai fait quand même un tableau, mais dans l'idée, il n'y en avait pas forcément besoin d'un parce que il y a les dramas et sound albums, mais dans l'idée, ça, c'est pareil. Moi, du moins, de ce que j'ai compris. Doom and Raccoon City Volume 1, 2, 3, The Little Runaway Series, The Female Spy, Ada Leaves et The Tragedy of Makoba Village. Donc ça donne un total de drama album et leur version à 6, donc environ 0,90% des produits. Et 6 drama albums, soit 3,75% des œuvres, donc encore une fois, très minime comparé au reste. Mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, voilà, j'ai pas d'autres trucs à rajouter ici. Nombre d'attractions, donc comme je le redis encore une fois, mais c'est en nombre d'attractions que j'ai pu trouver, entre parenthèses, d'intéressantes, parce qu'il y en a sûrement d'autres, dernièrement ça parlait aussi d'Escape Game en France, tout ça, mais j'essaie de trouver vraiment les officiels avant tout. Donc en officiel j'ai pu en répertorier 5, sachant qu'il y en a sûrement d'autres que j'ai oublié, qu'il faudra que je tienne à jour plus tard. Donc il y a les attractions utilisant de la VR et des attractions basiques, donc on en a 3 qui utilisent de la VR et 2 basiques. C'est ce que je vous mets là. Donc un total d'attractions qui s'élève à 5, soit environ 0,80% des produits. Et 5 attractions en termes d'œuvres, ça fait 3,13% sur le nombre total des œuvres. Donc il y a 260. Voilà. Je vois pas ce que je peux vous rajouter de plus. Vous avez tout à l'écran. Le nombre de campagnes promotionnelles, donc là, la première colonne, le nom des œuvres, la deuxième, les sites web, la troisième, si c'est en format, si c'est en format site web, si c'est en format vidéo, si c'est vraiment des campagnes avec plusieurs contenus dedans, ou si c'est en format application, donc le bureau informatique du BSA, le Resident Evil Revelation Extended Trailer, le Biohazard 2 TVCM, le tvirus.co.uk, Resident Evil 5 Viral Campaign, Zombie Singles, Point de vue, Léon et Claire, Léon, Claire, Steve et Jake, et Jacques. Bio 4 Official, The War on Horror, Uncharted Evil, Queen Zenobia Cruise Line, No Hope Left, Bio 5 Official, Resident Evil Contagion, Resident Evil Recontagion, The Merchant's Quest, Play in Bio Village, Baby Eagle is Missing et Leon and the Mysterious Village. Donc ça nous fait 9 sites web, 14 vidéos, 5 campagnes et 3 applications.
Donc un total d'œuvres campagne promotionnelle et leur version de 31, soit environ 4,90% des produits. Et ça nous donne 19 campagnes promotionnelles, soit environ 11,88% des œuvres. Donc voilà, encore une fois, assez minime, mais quand même plus au-dessus que certaines autres. Donc voilà, là normalement on a fait le total de tout, on a retracé toutes les œuvres avec tous les pourcentages, tout ça, concernant la licence. Donc toutes les œuvres que je vous ai parlé depuis le début, là on a tout rangé dans les catégories, tout cela. Donc on est good. Là on va passer en petite transition avec les crossovers. Donc j'ai pu noter 26 crossovers avec des licences. Donc il y a eu avec la licence Black Command, Castle and Dragon, Dead by Daylight, Dead Man's Cross, Dragon Poker, Fortnite, Hide and Fire, Knives Out, Left 4 Dead 2, Life After, bon, même Left 4 Dead, j'aurais pu enlever le 2, Life After, Marvel vs Capcom, Mina 2, Monster Hunter World, Monster Hunting Quest, Namco X Capcom, Project X Zone, PUBG, Puzzle Fighter, Puzzles and Survival, SNK vs Capcom, Super Smash Bros, Tenzan Bakabon, Tepen, Tricken Snowboarder, Tom Clancy's The Division 2 et Under the Skin. Donc comme je vous le disais, un total de crossover avec d'autres licences, au minimum 26, parce que j'ai potentiellement pas trouvé certains crossover avec des licences, peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus subtils en crossover avec d'autres licences, mais voilà, moi, pour moi je pense en avoir trouvé quand même une bonne grosse partie en fouillant le wiki. Donc on verra bien, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça sera un grand plaisir d'y rajouter dans mon document pour le tenir à jour. Ensuite, le nombre d'œuvres sans l'existence d'une version Resident Evil ou d'une version Biohazard en termes officiellement. Donc le premier, le nom qu'on donne habituellement aux œuvres, surtout voilà, que je vous donne depuis tout à l'heure. Là, le nom officiel français en priorité. Et là, le nom officiel en version Biohazard. Donc on va s'amuser. Donc Resident Evil 96, son nom bah, en français, bon, on l'appelle en général juste Resident Evil, voilà, il précise pas forcément l'année. En japonais c'est Biohazard. Resident Evil 2 98, bah, juste Resident Evil 2, Biohazard 2. Resident Evil 3 en 99, son nom officiel c'est Resident Evil 3 Nemesis et au Japon c'est, du moins en Biohazard c'est Biohazard 3 Last Escape. Resident Evil Survivor, bah, nous c'est Resident Evil Survivor, au Japon c'est Biohazard Gun Survivor. Resident Evil Code Veronica, c'est Resident Evil Code Veronica, Biohazard Code Veronica, toujours là. Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, Gun Survivor 2 Biohazard Code Veronica. Une petite subtilité. Resident Evil 2002, donc Resident Evil Remake, qui s'appelle juste Resident Evil et du coup Biohazard. Resident Evil 0, bah Resident Evil 0. Là, j'ai mis la petite subtilité du 0 écrit entre parenthèses parce que sur les jaquettes des jeux, ils l'ont marqué. Donc je me dis que peut-être dans la version officielle, il faudrait peut-être le prendre en compte, le 0 écrit en lettres en plus. Donc c'est pour ça que je l'inclus entre parenthèses parce que j'ai un petit doute si on peut l'inclure en version officielle ou pas. Mais vu que c'est écrit sur la boîte, je me dis que... Voilà, si on met Resident Evil 0 et puis 0 en écrit comme ça, je pense que les deux peuvent être valides. Voilà, Resident Evil Dead Aim, donc nous c'est Resident Evil Dead Aim au Japon, c'est Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die. Resident Evil Outbreak, Resident Evil Outbreak, Biohazard Outbreak. Resident Evil Outbreak File Number 2, Resident Evil Outbreak File Number 2 au Japon, c'est juste Biohazard Outbreak File 2. Nous on a le petit hashtag du entre parenthèses numéro qu'on rajoute, les japonais l'ont pas. Du moins moi je l'ai pas trouvé sur les boîtes, les machins comme ça. Resident Evil 4 2005, donc son nom officiel c'est Resident Evil 4 et au Japon Biohazard 4. Resident Evil Umbrella Chronicles, Resident Evil Umbrella Chronicles au Japon, moi j'ai trouvé que c'était Biohazard Umbrella Chronicles, ils mettent pas le The, alors que pour Darkseid ils le mettent. Donc j'ai trouvé ça bizarre, mais voilà, moi de ce que j'ai trouvé de mes recherches, j'ai pas trouvé avec le The. Resident Evil 5, Biohazard 5. Resident Evil The Darkseid Chronicles, Resident Evil The Darkseid Chronicles, Biohazard The Darkseid Chronicles. Resident Evil Révélation, Resident Evil Révélation, Biohazard Révélation. Resident Evil 6, Resident Evil 6, Biohazard 6. Resident Evil Révélation 2, Resident Evil Révélation 2, Biohazard Révélation 2. Kitchen n'a aucune version Resident Evil ou aucun nom avec le nom. Aucun nom avec l'appellation Resident Evil ou aucun nom avec l'appellation Biohazard. Donc il n'y a rien du tout. Umbrella Corps, alors nous en français il s'appelle Umbrella Corps, mais en Chine il s'appelle Resident Evil Umbrella Corps et au Japon il s'appelle Biohazard Umbrella Corps. Donc officiellement il y a une version Resident Evil Umbrella Corps qui existe, donc c'est pour ça que du coup bah, je l'ai placé.
Resident Evil 7 Beginning Hour, donc Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour et Biohazard 7 Teaser Beginning Hour. Resident Evil 7, de son nom officiel, Resident Evil 7 Biohazard et du coup Biohazard 7 Resident Evil. Resident Evil 2 2019, Resident Evil 2 et Biohazard RE2 au Japon. Resident Evil 3 2020, Resident Evil 3 au Japon, Biohazard RE3. Maiden n'a pas de nom comme avec Kitchen avec une version Resident Evil ou une version Biohazard. Resident Evil 8 Village, alors là, je vais vous donner mon point de vue sur cette idée là. Je rajoute entre parenthèses le 8. Pour la simple et bonne raison que Capcom et les gens en général sont bien gentils, mais quand je les vois dire Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village alors que il y a pas de 7 dans Resident Evil Biohazard, hein, quand vous regardez la jaquette, le 7 il est caché dans le nom et les gens le prononcent alors que dans Resident Evil Village ils prononcent pas le 8 qui apparaît en lettres bâton également. Donc je me dis au bout d'un moment il faudrait se mettre d'accord, c'est soit vous dites Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil 8 Village, ou soit vous dites Resident Evil 7, Resident Evil 8, ou soit vous dites Resident Evil Biohazard et Resident Evil Village. Y a pas, moi personnellement, y a pas de... on se comprend, mais dans l'idée d'une certaine logique, je vois pas pourquoi Resident Evil 8 Village se ferait punir de son 8, alors que le Resident Evil 7 Biohazard, on inclut le 7. Donc voilà, c'est mon petit truc à moi, c'est pour ça que moi je maintiendrai de partout Resident Evil 8 Village de partout, parce que je dis Resident Evil 7 Biohazard, donc je vois pourquoi je dirais Resident Evil Village et par Resident Evil 8 Village. Donc voilà, c'est la petite aparté que je voulais faire sur ce côté là et que j'aimerais bien que d'autres me suivent également, même si Capcom dise ouais non on préfère dire Resident Evil Village, bah ouais, sauf que pour moi je trouve que c'est pas logique de dire Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village alors que dans le village il y a le 8 qui est caché et ce qui est en plus ça entraîne de la de l'incompréhension chez certains, parce que j'en ai déjà vu, et je vous mens pas, j'en ai déjà vu, qui disaient qu'ils attendaient la sortie de Resident Evil 8. Voilà, ils disaient, ah moi j'attends la sortie de Resident Evil 8 et tout, alors que bah elle existe, Resident Evil 8 existe parce que c'est Village. Donc voilà, dire Resident Evil 8 Village, ça aiderait les gens qui sont perdus à se comprendre qu'il y a un Resident Evil 8 et que du coup c'est Village. Bref, donc du coup, voilà, il y a Resident Evil 8 Village et Biohazard 8 Village. Resident Evil 4 2023, donc de son nom Resident Evil 4 au Japon, Biohazard R4. Resident Evil Dégénération, Resident Evil Dégénération, Biohazard Dégénération. Resident Evil Damnation, Resident Evil Damnation, Biohazard Damnation. Resident Evil Vendetta, Resident Evil Vendetta, Biohazard Vendetta. Resident Evil Infinite Darkness, Resident Evil Infinite Darkness, Biohazard Infinite Darkness. Resident Evil Death Island, Resident Evil Death Island, Biohazard Death Island. Rapport de Wesker, Rapport de Wesker 2, Rapport d'Urgence n'ont aucun nom, soit Resident Evil, soit Biohazard inclus. Biohazard 4 Incubate, bah du coup comme son nom l'indique, il y a une version Biohazard mais il n'y a pas de version Resident Evil. Biohazard Umbrella Chronicles Project to the Fall, comme son nom l'indique, il n'y a pas de version Resident Evil mais il y a une version Biohazard. Le rapport supplémentaire de Wesker, le journal d'Angela et le rapport de Jessica, il n'y a pas de version ni Resident Evil ni Biohazard. Resident Evil Marawa Desire, alors du coup on a Resident Evil Marawa Desire. En anglais ils ont la petite subtilité du petit Z. Voilà, j'ai remarqué ça, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, parce que les Anglais ont sur leur manga Resident Evil The Marawa Desire, alors que nous on l'a pas et les Japonais l'ont pas non plus, c'est Biohazard Marawa Desire. Et voilà, je voulais faire noter cette petite distinction chez les ricains, et moi chez les gens anglophones. Resident Evil Heavenly Island, Resident Evil Heavenly Island, Biohazard Heavenly Island. Biohazard Vendetta, comme son nom l'indique, il n'y a pas de version Resident Evil mais une version Biohazard. Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, il y a une version Resident Evil mais pas une version Biohazard vu que c'est un comics surtout américain. Actuellement il n'y a pas de version Biohazard qui existe, mais si on a une je mettrai à jour. Mais là actuellement il est disponible qu'en langue anglaise, on n'a même pas une langue pour nous et tout, donc japonais ça m'étonnerait que ça arrive pour le moment, mais je reste curieux et je resterai ouvert et je mettrai à jour si ça arrive. Biohazard Death Island, bah là c'est l'histoire inverse, du coup on a Biohazard Death Island, sauf qu'il va sortir en manga début avril au Japon, et si au cas où il est traduit chez nous, bah ça sera sûrement marqué Resident Evil Death Island, et du coup à ce moment là je tiendrai à jour pour rajouter la version Resident Evil. Biohazard The Stage, Biohazard The Experience et Biohazard Wake Through The Fear, ah c'est compliqué à articuler quand on a un problème. Voilà, donc il y a que des versions Biohazard, il n'y a pas de version Resident Evil. Le bureau informatique du BSA, il n'y a aucun des deux. Resident Evil Révélation Extended Trailer, alors voilà, comme son nom l'indique, il y a une version Resident Evil. Cependant, j'ai été sur YouTube, j'ai tenté de mettre Biohazard Révélation Extended Trailer ou voilà, des trucs comme ça, je n'ai trouvé aucune version avec le nom Biohazard. Donc j'ai mis qu'il n'y en avait pas,
Mais je reste ouvert, si au cas où vous trouvez le trailer en version Biohazard, n'hésitez pas à me l'envoyer, je mettrai à jour mon fichier avec grand plaisir, mais personnellement, de mes recherches que j'ai fait moi, j'ai pas trouvé le trailer en version Biohazard, et je trouverais ça bizarre, je trouve ça bizarre qu'il n'y a pas de version Biohazard Révélation Extended Trailer, mais qu'il y en a pour nous. J'ai même vu qu'il avait été fait avec des sous-titres en espagnol, en français, tout ça, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas au Japon. Ensuite, Biohazard Vendetta Z Infected Experience, voilà, c'est en version Biohazard mais pas en version RE. Résistance, Biohazard Résistance. Les deux. Biohazard 4 d'Exécuteur, il n'y a pas de version Resident Evil, mais du coup, comme son nom l'indique, il y a une version Biohazard. Lettre de George Trevor, l'architecte, aucun des deux. Biohazard Wicked Nancy, comme son nom l'indique, il y a une version Biohazard, mais pas une version Resident Evil. Le journal de Rebecca, aucun des deux. Là, comme vous voyez, on a une grosse liste avec Biohazard Umbrella Chronicles Site A et B, Biohazard Damnation, les dramas albums Doom et Raccoon City Volume 1, 2, 3, The Little Runaway Series, The Female Spy at the Leaves, qui sont tous en version Biohazard et qui n'y a aucune version Resident Evil. Pareil pour certains jeux mobiles comme Biohazard High Survivor, Zombie Shooter, il n'y a pas de version Resident Evil mais une version Biohazard. Biohazard Zombie Buster existe avec les deux noms, de même que Gaiden, que Assault the Nightmare. Resident Evil Confidential Report, file number one. Ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué ça sur l'écran d'accueil. Cependant, sur les noms, pour le premier, il marque juste parfois Resident Evil Confidential Report. Il marque pas le file one, où c'est rajouté entre parenthèses. Donc voilà, je voulais faire la petite nuance également là. Et du coup, bah, il existe en version Biohazard Confidential Report avec bah, le file one entre parenthèses. Resident Evil The Missions, il existe bah, à la fois en version Resident Evil et en version Biohazard. The Stories, il n'y a pas de version Resident Evil, mais une version Biohazard. Les Confidential Reports 2, 3, 4, là, c'est la même limonade. Il y a les deux. The Operations et The Episodes, il n'y a qu'en version Biohazard, pas en version Resident Evil. Resident Evil Genesis existe uniquement en version Resident Evil et pas en version Biohazard. Resident Evil Dégénération existe avec les deux noms, donc Resident Evil Dégénération et Biohazard Dégénération. Resident Evil Uprising existe uniquement en version Resident Evil, pas en version Biohazard. Biohazard Survival Dur n'existe pas en version Resident Evil, elle existe par contre en version Biohazard, comme son nom l'indique. Hein. Resident Evil Mercenaries VS. Tac, j'aurais juste que mon enregistrement n'avait pas coupé, ouais. Resident Evil Mercenaries VS, voilà, existe en version Resident Evil Biohazard. Pareil pour Mercenaries 3D, avec le petit The devant, à ne pas oublier. Parce que moi j'ai eu souvent, j'ai souvent Resident Evil Mercenaries 3D, alors que c'est The Mercenaries 3D. Biohazard Outbreak Survive, il n'y a pas de version Resident Evil, mais une version Jap. Opération Raccoon City, bah, il a les deux noms, Biohazard et Resident Evil. Minato Biohazard Clan Master et Team Survive, pas de version Resident Evil, mais des versions Biohazard, comme leur nom l'indique. Resident Evil R-Reverse, et bah, du coup c'est Resident Evil R-Reverse et Biohazard R-Reverse. Resident Evil, le premier film d'Anderson, s'appelle chez nous Resident Evil et chez The Biohazard. Resident Evil Apocalypse, nous chez nous il s'appelle Resident Evil Apocalypse également, mais par contre au Japon ils mettent les numéros derrière. Donc il s'appelle Biohazard 2 Apocalypse. Resident Evil Extinction, au Japon il s'appelle juste Biohazard 3. Il n'y a pas le petit surnom d'Extinction, il s'appelle juste Biohazard 3. Donc voilà la petite subtilité. Resident Evil Afterlife, Biohazard 4 Afterlife. Et ce qui explique aussi pourquoi, du coup, les petites applications qui étaient en lien avec ces films-là s'appellent Bio 4 Official et Bio 5 Official. Parce que, du coup, ils prenaient en compte les numéros. Resident Evil Rétribution, Biohazard 5 Rétribution. Et Afterlife aussi, au-dessus, mais je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je crois que oui. Donc, la Rétribution. Et pour terminer, Resident Evil Chapitre Final et Biohazard The Final. Donc là, il repère de nouveau son numéro, comme avec le premier, pour juste marquer The Final. Et il n'y a même pas le chapitre ou chapter, comme en anglais. C'est juste The Final. Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, et bah moi en anglais j'ai traduit ça en Biohazard Welcome to Raccoon City. Resident Evil, la série Netflix s'appelle Resident Evil et Biohazard. J'ai pas trouvé que ça avait un nom spécial ou pas en japonais, mais juste vu marquer Biohazard sur les affiches. Le comics numéro 1 de Marvel, Resident Evil numéro 1, bah il existe qu'en version Resident Evil, il existe pas en version Biohazard. Biohazard The Beginning, Resident Evil The Book, bah voilà, comme leur nom l'indique, ils ont chacun un nom différent. Biohazard 2 existe uniquement en version Biohazard, pas de version Resident Evil. Le comics Resident Evil Volume 1 existe uniquement en version Resident Evil et pas en version Biohazard. Les romans de SD Perry, donc la Resident Evil et la Conspiration d'Umbrella s'appelle aussi bah, du coup, la Resident Evil et la Conspiration d'Umbrella. Par contre, au Japon, ça s'appelle Biohazard 1 The Umbrella Conspiracy. Resident Evil, la crique de Caliban. Resident Evil, la crique de Caliban au Japon, Biohazard 2 Caliban Cove. Donc je vous mets les noms en anglais. Hein. Resident Evil, la cité des morts, Biohazard 3, City of the Dead. Resident Evil aux portes de l'enfer, Biohazard 4, Underworld.
Biohazard 3 Last Escape et Biohazard 3 Supplemental Edition, il n'y a pas de version Resident Evil vu que c'est des manhwa, il n'y a que du coup les noms japonais. Biohazard Code Veronica, donc chez nous il a été traduit via le comics Resident Evil Code Veronica qui était sorti en 2002 comme je vous ai indiqué précédemment. Donc du coup voilà, il a son petit nom Resident Evil et son nom japonais. Resident Evil Nemesis, le roman des DPRI s'appelle Resident Evil Nemesis chez nous aussi. Et par contre au Japon il s'appelle Biohazard 5 Pursuer Nemesis. Donc c'est cool qu'on ait la mention du Pursuer dans le nom du roman des DPRI en version japonaise. Je trouve ça très cool comme information qu'il y a le petit Pursuer qui s'y retrouve. Resident Evil La Glace et le Feu, Resident Evil La Glace et le Feu, il n'a pas été traduit en japonais. Resident Evil Code Veronica, Resident Evil Code Veronica, Biohazard 6 Code Veronica. Biohazard Rose Blanc. Rose Blanc et To the Liberty, il y a des versions allemandes qui existent et qui du coup s'appellent Resident Evil Rose Blanc et Resident Evil To the Liberty. Et de ce que j'ai compris, ces versions allemandes sont officielles, faites par un éditeur en Allemagne. Donc, partant de ce postulat-là, je les ai inclus dedans. Donc voilà, il y a des versions Resident Evil pour ces deux romans-là. Et du coup, leur nom japonais. Resident Evil, un roman exclu en français, donc voilà, comme vous en doutez, il n'y a pas de traduction dans d'autres langues à part chez nous. The Black Wing, Winged Resident, il y a le Resident, mais il n'y a pas de Evil, donc ni l'un ni l'autre. Le roman Biohazard, adaptant le premier film d'Anderson, est sorti qu'au Japon, donc il s'appelle juste Biohazard là-bas. Biohazard 0, c'est le manhua, donc il n'y a pas de nom chez nous, ils l'ont. Resident Genesis, c'est le roman, donc on l'a chez nous, mais les Japonais l'ont pas. Resident Evil Apocalypse, par contre, on a le roman Resident Evil Apocalypse, et les Japonais ont aussi eu le roman Biohazard 2 Apocalypse. Resident Evil Zero Hour, donc le dernier livre de S.D. Perry adaptant RE0, a été traduit chez nous, Resident Evil Zero Hour, mais au Japon ils l'ont pas eu. Voilà, ils ont que 6 romans au Japon, ils n'ont pas le 7ème. Donc, c'est bizarre, mais voilà, j'ai trouvé ça comme information. Je n'ai pas trouvé de traduction japonaise du Zero Hour. Resident Evil Extinction, Biohazard 3, donc comme le film. Hein. Resident Evil Volume 2, Resident Evil Volume 2 n'a jamais été traduit au Japon. The Fierce Mission, il n'y a ni de version Resident Evil, ni de version Biohazard. Resident Evil Retribution, le roman s'appelle officiellement Resident Evil Retribution, The Official Movie Novelization, et Biohazard Retribution. Quand j'ai regardé sur le roman, il n'y a pas le 5, donc j'ai trouvé ça bizarre que sur le roman il ne l'ait pas mis le 5, mais voilà, il a pas l'air d'y être. Biohazard The Toon, pas de version Resident Evil, mais une version Biohazard. Bio Illustrated Is, y a rien en Resident Evil. Par contre, je l'inclus entre parenthèses dans la version Biohazard parce qu'il y a quand même le Bio au début. Donc voilà, à voir vous comment vous en jugez. Mais une fois que je vous donnerai les chiffres à la fin, vous pourrez enlever un ou rajouter un dans là où il n'y a pas de Biohazard ou laisser comme tel le chiffre. Mais moi personnellement, je l'ai compté comme un Biohazard. Resident Evil The Final Chapter, Resident Evil The Final Chapter le roman, et Biohazard The Final. Bioroid Year Zero, ni de version Resident Evil ni de version Biohazard, même si c'est le Bio, mais il est collé avec autre chose, pas comme Bio Illustrated Essay, là il est vraiment collé à quelque chose, donc moi je l'ai pas pris en compte. Musical Biohazard Voice of Gaia, il n'y a pas de version Resident Evil mais une version Biohazard, bien évidemment. Resident Evil Bioterror, donc il y a Resident Evil Bioterror, le truc, mais il n'y a pas de version Biohazard à proprement parler, même s'il y a le bio, je ne l'ai pas inclus parce que le bio, pour moi je sais pas si on peut le compter comme un Biohazard ou bio, la terreur biologique quoi. Valiant Raid des extrêmes, il n'y a pas de version Resident Evil, que des versions Biohazard. Resident Evil 2 Infected Hong Kong, il n'y a que une version Resident Evil, il n'y a pas de version Biohazard. Biohazard 2 TVCM, il n'y a que le nom japonais Biohazard 2 TVCM. Zombie Shooting Gallery, il n'y a aucun des deux. Resident Evil Outbreak, le flash game, il s'appelle juste Resident Evil Outbreak, j'ai pas vu s'il était sorti au Japon, je n'ai pu trouver aucune information là-dessus. TVRus.co.uk, Chainsaw Maniac et Convoy Game, il n'y a ni du Resident Evil ni du Biohazard dans leur nom. Resident Evil 5 Viral Campaign, j'ai trouvé que le nom en version Resident Evil, j'ai pas trouvé de Biohazard 5 Viral Campaign, donc à voir, si on trouve, je mettrai à jour. Zombie Singles, aucun des deux. Point de vue Léon et Claire et Steve et Jack, rien du tout. Bio 4 Official, il n'y a pas du coup de non Resident Evil, mais il y a Biohazard, il y a le Bio. The War on Horror, Uncertain Evil, Queen Zenobia Cruise Line, No Hope Left, Street Invasion, Undead Unleashed, tout ça, il y a ni du Resident Evil ni du Biohazard. Bio 5 Official, il y a que du Biohazard. Raccoon City Contagion, Raccoon City Recontagion, Escape for Halloween, Merchant's Quest, il y a ni l'un ni l'autre. Play in Bio Village, donc il n'y a pas de Resident Evil, mais vu qu'il y a le Bio et avec le Village, pour moi ça peut compter, comme Bio Illustrated Essay et puis ça, cela.
Baby Girl is Missing, aucun des deux. Legend of Mysterious Village, aucun des deux. Biohazard, The Tragedy of Makoba Village, bah, il n'y a qu'un nom Biohazard, il n'y a pas de nom de Resident Evil. Et là ensuite, bah, Resident Evil, The Deck Building Game, 2 The Board Game, 3 The Board Game et The Board Game, où il y a juste en version Resident Evil. Je n'ai pas trouvé de version Biohazard, ça n'a pas l'air d'avoir atteint le Japon à ces jeux-là, ou peut-être en version anglaise, donc voli volo pour cela. Alors total d'heures avec et sans la mention Resident Evil Biohazard au minimum. Donc avec Resident Evil, ça fait 87 œuvres qui ont, qui ont un nom avec Resident Evil. 73 œuvres sans le nom Resident Evil. 109 œuvres avec le nom Biohazard. 51 œuvres sans le nom Biohazard. Avec le nom à la fois Resident Evil et Biohazard, il y en a 67. Sans à la fois de Resident Evil et de Biohazard, ça fait 32. Et du coup, avec au moins un des deux, ça fait 61. Voilà, donc total d'œuvres sans la mention Resident Evil Biohazard dans le nom, ça fait du coup 32, où il n'y a ni une version Resident Evil ni une version Biohazard, pour 160 œuvres. Donc voilà, en gros, ça nous fait 128 œuvres qui ont du Resident Evil Biohazard, et 32 qui n'en ont aucun des deux. Voilà. Ensuite, hop, du coup, on est de retour pour l'avant-dernière catégorie de cette partie-là. Donc le nombre d'œuvres avec le même nom. Donc là j'ai remis de nouveau par ordre alphabétique toutes les œuvres et les types d'œuvres différents avec ce nom. Donc du coup bah, chaque fois que j'arrivais sur un nom je le mettais et puis c'est quand je le croisais bah, je le rajoutais. Donc comme vous voyez en rouge ça sera celui où il y a des noms en double. J'ai mis aussi en version d'autres pays donc c'est pour ça que vous verrez potentiellement tout cela. Et je me suis rendu compte du coup du pourquoi j'avais une bande sur le bas de l'écran. C'est quand je clique sur le tableau du coup ça m'ouvre hop ça m'ouvre le menu en bas mais par contre dès que j'enlève normalement tac ça disparaît. Donc voilà. Alors, donc on va juste revenir sur les œuvres qui ont un même nom. Donc c'est juste sur les cases rouges. Donc Biohazard 2, on a le Manhua. Mais par contre, si on va aller un peu plus loin que nos versions voilà, globales, le jeu vidéo en version japonaise sorti en 98 s'appelle également Biohazard 2, sans l'espace entre les deux. Mais bon, j'ai envie de dire, l'écriture de Biohazard, parfois c'est tout en majuscule, parfois tout en minuscule, parfois avec un espace entre le bio et le hazard, parfois sans. C'est, voilà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, j'ai l'impression, sur ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, je le mets entre parenthèses, dire voilà, il y a potentiellement ça qui existe. Pareil pour Biohazard, donc du coup, bah, y a le roman du film de 2002. Et si on va aller plus loin, bah, y a le jeu vidéo sorti en 96, donc le premier Biohazard. Il y a le jeu vidéo sorti en 2002, donc le remake. Il y a le live action de Anderson qui s'appelle aussi Biohazard. Et la série live action de Netflix qui s'appelle aussi Biohazard. Donc voilà, on peut avoir ces noms-là. Biohazard 0, bah, c'est pareil. On a le Manhua, mais on a aussi le jeu vidéo sorti en 2002. Biohazard 3 Last Escape, bah, on a à la fois bah, le Manhua et le jeu vidéo au Japon. Donc Resident Evil 3 Nemesis au Japon qui s'appelle Biohazard 3 Last Escape. Biohazard Damnation, et ben on a le roman, mais si on va aller un peu plus loin, on peut rajouter le film CGI avec son nom japonais. Pareil pour Death Island, on a le manga, mais il y a du coup le film CGI sorti au Japon. Biohazard Vendetta, le roman et le film sorti au Japon. Biohazard Zombie Buster, ben, du coup il y a deux fois le nom, parce qu'il y a le jeu mobile de 2001 et le jeu mobile de 2011. Resident Evil, donc Resident Evil on en a 5 œuvres qui portent le nom juste Resident Evil. Donc on a le jeu vidéo de 96, le remake de 2002, le film live action en 2002, le roman du film en 2002 et la série live action en 2022, donc la série Netflix. Resident Evil 2, bon, on a le jeu vidéo de 98 et le jeu vidéo de 2019. Resident Evil 4, on a le jeu vidéo de 2005 et le jeu vidéo de 2023. Resident Evil 3, bah du coup, on a le jeu vidéo de 2020, il s'appelle juste Resident Evil 3, alors qu'originellement il s'appelait Resident Evil 3 Nemesis, d'où le fait que bah, ils sont pas dans la même colonne, parce que l'original a le Nemesis que le remake n'a pas. Voilà, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je l'ai pas mis. Resident Evil Apocalypse, on a le roman sorti en 2004, et du coup, bah, le film live action également. Et potentiellement, selon les rumeurs, le 9e Resident Evil qui pourrait s'appeler Resident Evil Apocalypse. Mais ça voilà, on verra bien si un jour ça s'avère vrai ou pas. À ce moment-là, bah, je le rajouterai, jeu vidéo 2025, s'il sort en 2025. Mais bon, actuellement, ça reste que des rumeurs, je précise. Resident Evil Code Veronica, donc on a le jeu vidéo sorti en 2000, le roman en 2001, et on a le comics, voilà, traduit des Manhua Biohazard Code Veronica. Donc le petit comic sorti aux USA en 2002, voilà, qui du coup est inclus là-dedans. Je m'excuse pour le claquement de babine que j'arrive à faire assez régulièrement, c'est pas voulu. Hein. Resident Evil Dégénération, on a le film CGI et le jeu mobile. Resident Evil Extinction, on a le roman et le film live action. Resident Evil Genesis, on a le roman qui adapte le premier film d'animation, le premier film live action d'Anderson et un jeu mobile qui s'appelle Genesis.
Resident Outbreak, on a le jeu vidéo en 2003 qu'on connaît voilà, sur PS2 et le jeu sur site web sorti en 2003 également, donc le Flash Game. Resident Retribution, on a le live action sorti en 2012 et le roman sorti en 2012. Resident The Final Chapter, on a le roman sorti en 2017, mais du coup, si on va aller un peu plus loin, on a le film live action en version USA qui porte le même nom. Resident The Missions, bah, on a les deux jeux mobiles, donc sorti en 2003 en 2D et sorti en 3D en 2005. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà, là je vous ai refait du coup le petit compte des nombres de versions, tout cela. Donc Resident Zombie Buster, il y a deux œuvres qui portent ce nom. Resident Evil. Alors voilà, Resident Evil, il y a 5 œuvres qui portent ce nom et on peut en compter 3 si on compte les comics volume 1, 2 et l'autre comics qui s'appelle numéro 1. Donc en gros, cela. Donc lui et lui, parce que de base il s'appelle Resident Evil, le volume 1 et 2 c'est du petit ajout annexe, donc on peut potentiellement ne pas les compter et les compter du coup bah, comme des autres Resident Evil, donc potentiellement 2 en plus. Et l'autre c'est le Resident Evil numéro 1, voilà celui-là, le comics Marvel qui s'appelle juste sur l'affiche Resident Evil, mais voilà vu qu'il y a le petit numéro 1 qui est pour montrer que c'est le numéro 1 comics qui se rajoute un peu derrière, donc c'est pour ça que on peut dire 5 voire 8 si on compte ces 3 versions là. Resident Evil 2, il y en a 2 œuvres qui portent ce nom. Resident Evil 4, il y en a 2. Apocalypse, il y en a 2. Code Veronica, il y en a 3. Dégénération, il y en a 2. Extinction, il y en a 2. Genesis, il y en a 2. Outbreak 2. Retribution 2. Et The Missions 2. Donc, ce qui nous fait un total d'œuvres avec le même nom qui se porte à 12. Pour 160 œuvres. Donc, voilà, il y en a très peu qui portent le même nom. Et là, voilà, en bonus, je vous ai rajouté les versions japonaises, tout ça. Donc, comme ce que je vous ai raconté, Biohazard 2, il y a 2 œuvres qui portent ce nom si on compte le jeu bio de japonais. Biohazard, il y a 5 œuvres qui comptent ce nom si on compte les versions japonaises de certaines œuvres. Biohazard 0, 2 en comptant Biogenin, voilà, vous avez compris. 3 Last Escape, il y en a 2. Damnation, il y en a 2. Death Island, il y en a 2. Vendetta, il y en a 2. Et ce final chapter, il y en a 2. Voili voilou pour tout ci tout ça, et pour terminer, l'année avec le plus ou moins de contenu Resident Evil Biohazard. Encore une fois un tableau. et on arrive à la fin, là il reste, je crois que c'est la dernière partie, et on est à 52 pages sur 65. Voilà, donc j'ai fait une ligne par année, et à chaque fois je mettais les versions slash produits qui sont sortis ces années-là. Pour compter tout ça, donc comme vous voyez en 96, il y a eu 3 œuvres Resident Evil, donc le Resident Evil 1996 sur PS1, 96 sur PC, Resident Evil numéro 1, le comics Marvel. En 98, il y a eu Resident Evil 96 en version Saturn, en version Director's Cut. Il y a eu les lettres de George Trevor, l'architecte, et du coup, Biohazard The Beginning inclut tous les deux dans Biohazard The True Story Behind Biohazard. On a eu le drama album The Domain Raccoon City volume 1. Resident Evil The Book qui était sorti avec la version Saturn, Biohazard 2 TVCM, le spot publicitaire, et Biohazard The Tragedy of Makoba Village, le drama album, voilà, qui sont sortis tout ça en 97, donc 8 œuvres. En 98, il y a eu 11 œuvres avec Resident Evil 96 et la version Director's Cut DualShock version, Resident Evil 2 98 sur PS1 à la fois normal et en version DualShock version. Il y a eu le Game.com et Tiger 99X. Il y a eu The Wicked North Sea, le roman, les deux dramas albums Domain Raccoon City volume 2 et 3, alors comment j'ai fait ça, je crois que j'ai oublié le plus 20, mais bref. Donc il y a eu le début de publication du Biohazard 2 drama, du Biohazard 2 Manhua en 60 numéros, donc voilà, qui avait commencé à être publié en 98. On a eu le comics en 5 numéros Resident Evil volume 1, Resident Evil la conspiration d'Umbrella le roman et la crique de Caliban le roman, donc 11 œuvres. En 99, il y a eu 13 œuvres Resident Evil, donc il y a eu Resident Evil 2 98 sur PC, Resident Evil 2 98 sur 64, Resident Evil 2 98 sur Dreamcast, Dreamcast Value plus exclu Japon. On a eu Resident Evil 3 Nemesis en 99, du coup en version Japon, du moins. Bon, je me mélange. Resident Evil 3 Nemesis, donc le Resident Evil 3 99 sur PS1, je vais y arriver. Resident Evil 2 Drama Album, The Little Runaway Shiri, le Drama Album. Biohazard 2 Drama Album, The Female Spy at the Leaves. La suite et fin du Biohazard 2 Manhua en 60 numéros plus les 20 numéros en Taïwan, donc du coup qui nous faisait en total 80.
La suite de Resident Evil volume 1, les comics en 5 numéros, voilà, il y a eu quelques numéros qui ont dû sortir en début 99. Resident Evil volume 1, l'extrait dans le comics Resident Evil Collection 1 qui est lui sorti en 99. Resident Evil la Cité des Morts et aux Portes de l'Enfer, les romans. Et du coup, le début de publication du manhwa Biohazard 3 Last Escape en 26 numéros. En 2000, c'est 11 œuvres. Avec Resident Evil 3 Nemesis sur PSC, Resident Evil 3 Nemesis sur Dreamcast, Resident Evil Survivor sur PS1, Code Veronica sur Dreamcast, Biohazard 4 d'Exécuteur, le film CGI, Biohazard 3 Last Escape, la fin des 26 numéros du manhwa, les 9 numéros du Supplemental Edition, Biohazard Code Veronica, le manhwa en 18 numéros qui, si j'ai pas de bêtises, a commencé sa publication, non, il a tout fini en 2000. Resident Evil Nemesis, le roman, Resident Evil La Glace et le Feu, le comics en 4 numéros, et Bioroid Year Zero, la pièce de théâtre. En 2001, c'est 11 œuvres de nouveau, avec Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast, la version Kanzenban, donc exclue au Japon, Resident Evil Code Veronica sur PS2, la version X, Resident Evil Survivor 2, Code Veronica, la borne d'arcade et le jeu sur PS2, le rapport de Wesker en document vidéo, le Biohazard 1 Survivor en jeu mobile, le Biohazard Zombie Shooter, le Biohazard Zombie Buster en jeu mobile également, Gaiden en Nintendo Game Boy, Resident Evil Code Veronica, le roman, et le Zombie Shooting Gallery qui est un jeu sur site web. En 2002, c'est 15 œuvres Resident Evil Biohazard avec Resident Evil Survivor sur PC en exclu Taiwan, Resident Evil 2002, donc le remake en version GameCube, Resident Evil 0 GameCube, le rapport de Wesker 2 en document écrit, le rapport d'urgence en document écrit, le journal de Rebecca en document écrit, Resident Evil Assault the Nightmare, le jeu mobile, Resident Evil le film live action de Anderson, Resident Evil Code Veronica, le comics en 4 numéros, Biohazard Rose Blanc, To the Liberty et le roman du film Anderson et The Black Winged Resident et le roman d'Anderson en version japonais également. Donc voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 romans qui sont sortis la même année. Et Biohazard Zero, le manhwa en 6 numéros. 2003, 11 œuvres de nouveau, avec Resident Evil 2 98 sur GameCube, Resident Evil 3 99 sur GameCube, Resident Evil Code Veronica X sur GameCube, Dead Aim sur PS2, Outbreak sur PS2. C'est vrai que je trouve bizarre que j'ai pas rajouté la mention PS2 derrière alors que le reste j'ai fait, bref. Rapport de Wesker, le document écrit, Rapport de Wesker 2, document écrit, Resident Evil Confidential Report No. 1 en jeu mobile, Resident Evil The Missions, le jeu mobile en 2D, Biohazard Zero, le manhwa en 6 numéros, la fin. Resident Evil Outbreak, le jeu site web, donc le flash game. Resident Evil 4, c'est 7 œuvres Resident Evil Biohazard qui sont sorties en 2004, avec Outbreak File 2, Biohazard The Story, le jeu mobile, Resident Evil Apocalypse, le film live action, Resident Evil Genesis, le roman, Resident Evil Apocalypse, le roman, Resident Evil Zero Hour, et le roman, et le tvirus.co.uk, le site web. En 2005, 6 œuvres. Resident Evil 4 2005 en GameCube, Resident Evil 4 2005 sur PS2 et Resident Evil 4 2005 en jeu mobile. Resident Evil The Missions en jeu mobile en 3D. Resident Evil Confidential Report No. 2, le jeu mobile. Et Chainsaw Maniac, le jeu sur site web. En 2006, 5 œuvres avec Resident Evil 96 Deadly Silence pour les 10 ans. Resident Evil 96 sur le PSN, donc la version Director's Cut. Le Biohazard 4 Incubate, donc livré plus DVD. Resident Evil Confidential Report 3 et 4 en jeu mobile. En 2007, c'est 13 œuvres avec Resident Evil 2 98 sur le PSN, Resident Evil 4 2005 sur PC, Resident Evil 4 2005 sur Wii, Resident Evil The Umbrella Chronicles sur Wii, le rapport de Wesker 2, document écrit partiellement, le Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall manga en deux parties, le rapport supplémentaire de Wesker en document écrit, Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B de roman, du coup surtout le A. C'est pour ça que vous le reverrez, voilà, il est là en 2008 parce que c'est le A qui est sorti en 2007 et le B en 2008. Biohazard The Operations en jeu mobile, The Episode en jeu mobile, Resident Evil Extinction, le film live action avec son roman, et le Convoy Game qui était un jeu sur site web pour faire la promotion de Extinction. 2008, l'ajout de Resident Evil 3 original sur le PSN, Resident Evil Remake sur Wii, Resident Evil 0 sur Wii, le film d'animation Resident Evil Dégénération, avec accompagné via voilà, l'édition spéciale Le Journal d'Angela, Biohazard Umbrella Chronicles Side B, du coup, en roman,
Resident Genesis, le jeu mobile, Resident Degeneration, le jeu mobile, et Resident Evil 5, la virale campaign de 5 vidéos, sortie également en 2008. Ouais, c'est bien ça, ça commence à sortir en 2008, et les derniers sont sortis en 2009, comme on va le voir là. Donc Resident Evil 9, 13 œuvres. Resident Evil 4 2005 en version Zibo. Resident Evil 5 sur PS3 et Xbox 360, également sur PC. Resident Evil The Dark Side Chronicles sur Wii, le journal d'Angela en document écrit, le bureau informatique du BSA en site informatique, Resident Evil Uprising en jeu mobile, Resident Evil Volume 1 extrait dans le comics Resident Evil Fire and Ice, Resident Evil La Glace et le Feu, du coup le recueil des 4 comics, Resident Evil Volume 2, le comics sans 6 numéros, Resident Evil 5 Viral Campaign, la fin des 5 vidéos, Zombie Singles, un site web, et le point de vue de Léon, Claire, Steve et Jack en campagne promo sur Twitter pour Resident Evil Dark Side Chronicles. En 2010, on a 10 heures, c'est beau, avec Resident Evil 5 sur PS3 et Xbox 360 en Gold Edition, le rapport de Wesker 1 et 2 en document écrit, avec le rapport supplémentaire de Wesker, le bureau informatique du BSA en document écrit partiellement, le Biohazard Survival d'or en jeu mobile, Resident Evil Afterlife en film live action, Resident Evil le volume 2, le comics en 6 numéros, le début, si je dis point de bêtises, c'est ça, ouais, le début du publication, Bio 4 Official, l'application mobile, et Resident Evil The Deck Building Game, le jeu de cartes. En 2011, c'est 12 jeux, 12 œuvres, avec Resident Evil Code Veronica sur PS3, Xbox 360 en HD édition, Resident Evil 4 2005 sur PS3 en 360 en HD, Resident Evil Revelation Extended Trailer, la bande-annonce, Biohazard Zombie Buster en jeu mobile, Resident Evil Mercenaries VS, le jeu mobile, Resident Evil The Mercenaries 3D, jeu sur 3DS, Biohazard Outbreak Survive, le jeu mobile, Resident Evil Volume 2, la fin des 6 numéros, et avec du coup le recueil qui reprend les 6 numéros, The War on Horror, l'application Facebook, Uncharted Evil, le site web, et Queen's in the Back Cruise Line, le site web. En 2012, c'est 18 œuvres Resident Evil Biohazard qui sont sorties. Donc Resident Evil Umbrella Chronicles sur PS3 en HD, Dark Side Chronicles sur PS3 en HD, Révélation sur 3DS, Resident Evil 6 sur PS3, Xbox 36 et PC, Damnation en film CGI, le rapport de Jessica en document vidéo, le Resident Evil Marawa Desire en manga en 5 tomes, Biohazard Death Island le roman, Resident Evil Opération Raccoon City sur PS3, 360 et PC, Minato Biohazard Clan Master en jeu mobile, Resident Evil Retribution le film live action, The First Mission le manga, Resident Evil Retribution roman, No Hope Left campagne virale, Street Invasion jeu sur site web, Undead Unleashed jeu sur site web et Biohazard 5 Official application mobile. La 2013 était beaucoup plus calme avec juste 3 œuvres, Resident Evil Révélation sur PS3, 360, Wii U et PC. Resident Evil Marawa Desire en manga en 5 tomes, la suite du coup, Minato Biohazard Team Survive, le jeu mobile. En 2014, Resident Evil 2002, donc le remake qui arrive en HD Remaster sur PS3 et 360, Resident Evil 4 2005 qui arrive en Ultimate HD Edition sur PC, le rapport de Wesker 2, 1 et 2 en document vidéo dans le HD Remaster du Resident Evil 1 Remake au Japon, Resident Evil Marawa Desire, le manga en 5 tomes, qui continue sa sortie, et Raccoon City Contagion, le site web. En 2015, on en a 9, avec... En 2015, on en a 9, avec Resident Evil 2002, donc le remake sur PS4, Xbox One et PC en HD Remaster, Resident Evil 5 sur PC en Gold Edition, Resident Evil Révélation 2 sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC, et Révélation 2 après plus tard sur PS Vita, la démo Kitchen pour PS4, Resident Evil Marawa Desire, la fin du manga en 5 tomes, et par contre le début de Resident Evil Heavenly Island en 5 tomes, Biohazard The Stage, la pièce de théâtre, et Raccoon City et Recontagion, le site web. En 2016, 11 œuvres, avec Resident Evil 0 sur PS3, 360, PS4, Xbox One, PC en HD Remaster, Resident Evil 4 2005 sur PS4 et Xbox One en version Ultimate HD Edition, Resident Evil 5 sur TV Android Shield en Gold Edition, Resident Evil 5 sur PS4 Xbox One en version complète, pareil pour le 6 sur PS4 et Xbox One en version complète, Umbrella Corps sur PS4 et PC, Resident Evil 7 Beginning Hour sur PS4, Xbox One et PC, la démo, Resident Evil Heavenly Island, la suite de la publication en 5 tomes, Biohazard The Tune, le webcomic en 53 numéros, Musical Biohazard Voice of Gaia, la pièce de théâtre, et Resident Evil Bioterror, attraction VR qui durera 4 ans. En 2017, c'est 16 œuvres,
avec Resident Code Veronica sur PS4 en version X Basics en HD, Resident Révélation sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Révélation 2 sur Nintendo Switch, Resident 7 Biohazard sur PS4, Xbox One, PC, en version basique, en version Gold Edition, en version grotesque et en version grotesque Gold Edition. Vendetta, le film CGI, Heavenly Island, si je me dis, la fin de publication du manga en 5 tomes, Biohazard Vendetta, le roman, Biohazard Experience, la pièce de théâtre, Biohazard Vendetta, The Infected Experience sur PS4, donc l'expérience VR, Resident Evil, le chapitre final, donc le film live action, Biohazard The Toon, le webcomic en 53 numéros, Bio Illustrated, essai en webcomic en 10 numéros, et Resident Evil, The Final Chapter en roman. En 2018, l'année la plus calme, avec Resident Evil 7 Biohazard sur Switch en cloud et Bio Illustrated Essay webcomic en 10 planches, voilà, les surtout qu'on a eu en 2018. 2019, on est à 15 versions avec Resident Evil Code Veronica sur Xbox One via la HD édition de la Xbox 360, Resident Evil Remake sur Nintendo Switch en version HD Remaster, de même que pour RE0 et pour RE4 Original, RE5 et RE6. Resident Evil 2 2019 sur PS4, Xbox One et PC, mais en version Z-version également au Japon. Biohazard Walk Through the Fear, une attraction VR. Resident Evil Opération Raccoon City sur Xbox One via la version Xbox 360. Biohazard Valiant Raid, attraction VR. Biohazard Extreme, attraction. Resident Evil 2 Infected Hong Kong, attraction. Et Escape for Halloween, jeu sur site web. Et Resident Evil 2 The World Game, jeu de plateau. Ensuite, 2020, 3 œuvres encore, avec Resident Evil 3 2020, Resident Evil 3 Remake sur PS4, Xbox One et PC en version basique, en version Z-version, et Resident Evil Resistance sur PS4, Xbox One et PC. On est toujours good ? On est toujours good. Ouh, on y est presque. 2021, avec 11 œuvres. Resident Evil 4 2005 sur MetaQuest 2 en mode VR. Resident Evil 7 Biohazard sur Stadia. Maiden sur PS5, la démo. Resident Evil 8 Village sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, PC, en version basique, en version Z-version. Resident Evil 8 Village sur Stadia. Resident Evil Infinite Darkness, la série en CGI. Resident Evil Mania Raccoon City, le film live action. The Merchant's Quest, site web. Play in Bio Village en 4 vidéos. Et Resident Evil 3, The Board Game, le jeu de plateau. Pour l'année 2022, du coup, 15 œuvres. Avec Resident Evil 7 Biohazard sur PS5, Xbox Series X. SX via la mise à jour Next Gen, Resident Evil 7 Biohazard sur Nintendo Switch Gold Edition en cloud, Resident Evil 2 Remake donc 2019 en version Luna, PS5, Xbox Nintendo Switch se fait un petit plaisir, pareil avec Resident Evil 3 2020, voilà un petit pixel. Resident Evil 8 Village sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC en Gold Edition. Oui, du coup, Resident Evil 8 Village sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC en Z version Gold Edition, exclu au Japon. Resident Evil 8 Village sur Mac, sur Nintendo Switch en Gold Edition par Cloud. Et Resident Evil Infinite Darkness, The Beginning, le début du comics en 5 numéros. Il y a également eu Resident Evil Reverse sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC. Et pour terminer, Resident Evil, la série live action de Netflix. En 2023, nous avons eu Resident Evil Village, Resident Evil 8 Village sur iPhone 15 Pro, Resident Evil 4 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series XS et PC, Resident Evil 4 2023 sur iPhone 15 Pro et Mac, Resident Evil Death Island, le film CGI, Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, comics par 5 numéros. Biohazard Death Island, le web manga en 11 numéros, Baby Eagle is Missing, le site web, Leon and the Mysterious Village en 3 vidéos, et Resident Evil The Board Game, le jeu de plateau, voilà pour les 9 de 2023, et pour 2024, l'année qui est en cours, donc j'ai visé jusqu'à avril, début avril, vu qu'il y a le manga Death Island qui sort, on en a 5 contenus qui sont sortis cette année, Resident Evil 4 2023, donc en version Gold Edition sur PS4, PS5, Xbox Series XS, PC. Resident Evil Infinite Darkness The Beginning en comics 5 numéros, la suite, notamment avec le 5ème numéro. Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, le comics regroupant les 5 numéros qu'il a, est sorti il y a une dizaine de jours, autour du 12 mars, il est sorti. Biohazard Death Island, le web manga, donc il y a eu janvier, février, mars. Ouais, 3 numéros, je dirais, qui sont sortis. Voilà, 3 numéros du web manga, et il va sortir, comme je vous le disais, en
en format physique, regroupant les 11 numéros, début avril. Donc ça fera du coup la cinquième œuvre qu'on a cette année. Là, du coup, je vous ai regroupé toutes les années. Donc au total, sur 28 ans, on peut en faire 14 années différentes en regroupant celles qui ont les mêmes contenus en termes d'années. Donc la première année, c'est 2012, avec 18 produits héroïques qui sont sortis. 2017 en deuxième avec 16. 2002, 2019 et 2022 en troisième position avec 15 œuvres. En 99, 2007 et 2009 en quatrième avec 13. 2011, il y a 12 œuvres qui sont sorties, donc c'est à la place cinquième. 98, 2000, 2001, 2003, 2016, 2021, il y a 11 œuvres, donc c'est à la place en sixième. 2010, il y en a 10, c'est à la place en 7. 2008, 2015, 2023, il y en a 9, c'est à la place en 8. 97, il y en a 8, c'est à la place en 9. C'est marrant, c'est l'inverse. tac, tac, tac. 2004, il y en a 7. 2005 et 2014, il y en a 6. 2006 et 2024, il y en a 5. 96, 2013 et 2020, il y en a 3. Et 2018, il y en a 2. Donc du coup, bah, l'année 2012 est celle avec le plus de contenu Resident Evil Biohazard. Et l'année 2018 est l'année avec le moins de contenu Resident Evil Biohazard. Pouf! On est arrivé. On a fait la plus grosse partie de cette vidéo-là pour décortiquer, voilà, tout plein de chiffres en vrac, tout ça. J'essaie de revenir sur tout ce que je pouvais, mais là, par exemple, revenir sur les années, je vois pas trop ce que je pouvais dire. Parfois, je pouvais essayer de réagir tout ça. Je me suis mis un peu en mode automatique sur la fin. J'espère juste ne pas te mettre trop perdu, parce que je lisais ligne par ligne, je bougeais quasiment plus. Je m'excuse pour ceux qui auraient aimé de l'entertainment, mais là, voilà, c'était vraiment le dossier un peu, vous savez, les réunions chiantes qu'il y a dans les entreprises où ils font un topo de tout ce qui est sorti de l'année et tout. Donc là, j'étais un peu en mode le mec relou avec son tableau qui vous montrait les chiffres. Alors là, il y a ça, 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 là, il y a ça. Voilà, c'était un peu ce que j'ai fait là. Donc je m'en excuse pour ceux qui n'auraient pas plu, mais voilà, c'est le but de cette vidéo là aussi, c'est de vous parler plus des chiffres que réagir, tout ça. Mais j'essaie, voilà, de vous faire quelques petites réactions par-ci, par-là, pour essayer, voilà, de vous garder quand même un minimum concentré dans tout ça. Voilà, donc là il nous reste plus qu'une catégorie qui sera bah, les chiffres de vente, et après bah, on pourra passer à l'outro. Donc voilà, il va y avoir une petite transition maintenant. Pour terminer cette grosse vidéo, avant voilà, un petit mot d'outro à tout cela, on va venir avec les chiffres de vente de la licence Resident Evil Biohazard. Donc comme vous voyez, on va revenir sur trois points. Donc les chiffres de vente des jeux en une seule version, les chiffres de vente des jeux toutes versions, et un petit point sur le box-office des films. Voilà, c'est des chiffres que j'ai pu trouver. Je me suis dit, ça peut être sympa de les inclure, parce qu'encore une fois, on parle de la licence Resident Evil Biohazard et pas uniquement des jeux. Donc, concernant les chiffres de vente des jeux, une version. Donc là, l'ami Beyond Evil va être très content, depuis le temps qu'il me le demande. J'ai retracé je crois, 117 jeux qui sont dans le tableau des ventes de Capcom qui ont dépassé le million de ventes. Voilà, j'ai retracé tout le tableau, les 117, et puis j'en trouve un erreur, je le rajoutais dans mon tableau à moi. Je vous mets du coup toutes les versions, tout ça. Donc, je vous laisse. Normalement, on les voit à l'écran. Voilà. Vous voyez tout à l'écran. Donc, je vais essayer de revenir globalement sur les chiffres, tout ça, mais sans plus, parce que j'ai ma voix qui commence à fatiguer. Je suis très content d'avoir tourné l'outro avant de tourner tout ça. Donc, le tableau se divisera en jeux dans la colonne de gauche et chiffre de vente en millions d'unités environ, hein, parce que chez moi, ils donnent des chiffres ronds. Ça m'étonnerait qu'on ait des chiffres vraiment aussi ronds. Donc, je pense que ça va être du environ pour chaque jeu. Donc, le premier, c'est celle de 2019 avec 13,90 millions. D'unités vendues. Resident Evil 7 Biohazard avec 13 millions. Resident Evil 8 Village avec 9,30. Resident Evil 5 version PS3, Xbox 360 et les téléchargements en 9 millions. Resident Evil 6 PS3, 360 et téléchargements 9 millions. Resident Evil 3 2020 à 8,4 millions. Resident Evil 4 2023, donc lui par contre, quand vous allez, si vous allez voir dans la description, je vous ai mis les liens. Si vous allez voir le tableau, vous verrez qu'il est à 6,4, je crois, parce que c'est les chiffres qui datent de fin janvier. Sauf que là, au 14 mars 2024, on a eu les chiffres de vente qui ont atteint les 7 millions. Il y a un petit post de Capcom et tout, je vous le mettrai aussi également en description, ça vous avez la preuve. Du coup voilà, c'est pour ça que je rajoute la petite mention que c'est mis à jour au 14 mars 2024, pour Resident Evil 4 2023. Resident Evil 2 original avec 4,96. Resident Evil Remake avec 4,10. Uniquement sur la version
PS3 et à téléchargement. Alors comme vous allez le voir, pour certains, il va manquer des versions. Parce que notamment, comme vous pouvez le voir, avec par exemple Resident Evil 5 et 6, il n'y a pas de version PC incluse. Donc peut-être c'est dans DL, j'ai un doute. Et comme vous allez voir plus bas, on reverra du RE5 et 6 et de mémoire, PC n'est pas inclus, même Switch, j'ai un doute. Mais voilà, parfois il y a des versions qui ne sont pas incluses. Donc c'est vrai que les chiffres, c'est vraiment du environ parce qu'on n'a pas toutes les versions non plus. Donc j'ai à Resident Evil 1 Remake, voilà, 4,10, Resident Evil 0, 4,10, comme vous voyez, là ils ont inclus PS4, Xbox One, PC pour Resident Evil 0, mais pas pour Resident Evil 1 Remake. Resident Evil 3 Nemesis à 3,50, Resident Evil Révélation 2 à 3,30, Resident Evil 4 Original à 3,10, Resident Evil 5, comme je vous l'avais dit, la version PS4, Xbox One et téléchargement à 3 millions. Vous voyez, il n'y a pas de version PC marquée. Resident Evil 6 sur la même plateforme, 2,80. Resident Evil 4 Ultimate HD Edition sur PC et en téléchargement à 2,8 millions. Resident Evil 96 version Basic PS1 à 2,75 millions. Opération Raccoon City PS3 360 et téléchargement à 2,7. Révélation 1 2,5. Resident Evil 5 Gold Edition 2,4. Resident Evil 4 2000 Original sur PS2 2,3. Resident Evil 4 sur Wii 2 millions. Resident Evil 4 sur GameCube 1,6. Resident Evil Outbreak 1,45, Resident Evil Révélation Collection sur Switch et en téléchargement 0, du moins 1 million. Resident Evil Code Veronica X sur PS2 1,4, Resident Evil 2002 sur GameCube 1,35, Resident Evil Umbrella Chronicles 1,30, Resident Evil 4 Original sur en téléchargement sur PS3 et 360 1,3. Resident Evil 0 sur GameCube 1,25, Resident Evil Director's Cut DualShock 1,20, Resident Evil Code Veronica 1,14, Resident Evil Director's Cut 1,13 et Resident Evil Révélation 1 million, tout pile. Donc lui il a atteint le tableau au poil de fiac. Donc au total, il y a 34 versions de jeux Resident Evil Biohazard qui ont dépassé les 1 million de ventes, sachant qu'il manque des versions et des chiffres venant de certaines versions, donc potentiellement des versions qui seraient à 0,96 en rajoutant peut-être la version Switch ou la version je ne sais quoi, ça va peut-être faire atteindre le 1 million, on ne sait pas, hein, des versions, on va l'oublier. Capcom du coup ont au total 116 versions de jeux qui ont dépassé les 1 million. Donc la licence Resident Evil Biohazard avec ses 34 versions, ça fait un total d'environ vers 29,31% des jeux de Capcom qui ont atteint le 1 million de ventes. Donc ça veut dire quasiment un tiers des jeux de Capcom ont atteint les 1 million de ventes. Donc c'est quand même très bien. Ensuite, les chiffres de vente des jeux toutes versions confondues, encore une fois datés de mars 2024. Le premier, c'est Resident Evil 5 avec ses 14,40 millions d'unités vendues. Donc ça, pour vous demander comment c'est calculé, alors je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai pris le tableau, je vous mets le lien en description fait par... Ah, je suis malade, j'ai oublié son nom. Je laisse au bout de la langue, celui qui a écrit le bouquin. Alex Agnel. Voilà, Alex Agnel qui a fait les tweets, donc lui c'est quand même un mec assez rigoureux dans ce qu'il fait, donc pour moi j'ai pris ses tweets comme acquis. Mais en gros, il faut prendre chaque version qui est soit inclue dans le tableau là et tout additionner pour avoir du coup la version qu'on aura dans ce tableau là. Pareil, j'ai fait du coup avec toutes les versions qui étaient marquées, quelqu'un a fait le tableau complet. Donc Alex Agnel, on avait fait une bonne partie, il en manquait plus que deux, mais bon là c'était assez simple parce qu'ils sont qu'en une seule version. Bref, donc voilà. Toujours les jeux à gauche et les chiffres de vente en millions d'unités environ à droite. Donc Resident Evil 5 avec ses 14,40 millions d'unités vendues. Resident Evil 2 2019 avec ses 13,60, donc il se rapproche dangereusement. Resident Evil 4 Original avec ses 13,10. Resident Evil 7 Biohazard, ça me fait yesh, mais je pense que d'ici fin d'année il aura dépassé RE4 Original pour être dans le top 3. Resident Evil 6 à 11,8, Resident Evil 8 Village à 9,3, Resident Evil 3 2020 à 8,4, Resident Evil 4 Remake du coup à 7, comme je vous ai dit avec la mise à jour qu'on a eue le 14 mars, Resident Evil Remake à 5,45, Resident Evil 0 à 5,35, Resident Evil 96 à 5,08, Resident Evil 2 Original à 4,96, Resident Evil Révélation à 4,90, Resident Evil Révélation 2 à 4,70, Resident Evil 3 Nemesis à 3,5, Resident Evil Opération Raccoon City à 2,7, Code Veronica à 2,54, Outbreak à 1,45 et Umbrella Chronicles à 1,30. Donc au total ça fait 19 jeux Resident Evil Biohazard au total qui ont au moins une version ayant dépassé les 1 million d'unités. Donc là voilà, je vous parlais en termes de versions, il y en a 34, mais en termes de jeux il y en a 19.
En calculant ici, on obtient 132,53 millions d'unités vendues. Voilà, en additionnant tous les chiffres que je vous ai parlé dans le tableau, ça fait 132,53 millions. Sachant que la licence s'est vendue à 154 millions, ça veut dire qu'il y a tous ceux en dessous de la barre des 1 million. Ils font au total toutes les versions, voilà, tout ce qui n'est pas inclus, les plus des 19 autres jeux, tout ça. Il y a 21,47 millions de ventes qui sont faites. Il y a tous les chiffres qui sont en dessous d'un million de ventes, donc c'est énorme quand même tout cela. Et en petite information bonus, ouais, je sais pas où trop la placer, mais je me suis dit, je vais la placer ici vu qu'on parle des chiffres de vente, voilà la licence au total. Et que bah voilà les jeux c'est même si je dis que les jeux ce n'est pas la licence RE parce que elle est globalement ça a quand même été le lancement du coup depuis la sortie du premier Resident Evil et en date d'aujourd'hui du coup vu que cette vidéo là j'aimerais la sortir le 22 mars voilà la licence existe depuis 10 227 jours c'est beaucoup. C'est beaucoup de jours, 28 ans du coup. J'ai fait un calcul, j'ai été sur internet sur un truc pour dire voilà combien il y a de jours entre le 22 mars 1996 et le 22 mars 2024. Et du coup, là le site m'a sorti 10 227 jours. Donc voilà, sur 10 227 jours, tout ce que je vous ai parlé ici, c'est tout ce qu'a fait la licence. Voilà, elle parcourt tout ça via 10 227 jours. Et pour terminer cet onglet là, donc avec le box-office des films, notamment les live-action, donc voilà, je vous ai placé les films en live-action avec leur nom et le box-office mondial, voilà, je précise bien le mondial en dollars, donc vous avez tous ces chiffres-là, j'ai la flemme de les dire, je vais pas vous mentir, les 102 984 862, tout cela. Mais celui que je vais vous lire, du coup, c'est le total de tout ça additionné. Donc, les films live-action ont rapporté au box-office 1 274 590 344. Le film qui a le plus fonctionné au box-office, c'est Resident Evil, le chapitre final. Le film qui a le moins fonctionné au box-office, c'est Resident Evil, Biohazard, Raccoon City. Et en petit bonus, voilà, j'ai trouvé un site... Excusez-moi. J'ai dit que j'étais malade. J'ai trouvé un petit. Je vous l'ai mis en description, un petit site qui donne également quelques petits chiffres de box-office liés aux films d'animation. Donc en termes de chiffres connus, voilà, je précise bien connus, des films d'animation, Dégénération avait fait 403 117, Damnation avait fait 2 325 035, Vendetta 256 320 et Death Island 43 161. Et si on additionne du coup tous ces petits chiffres là, au total le box-office des films d'animation en termes des chiffres connus, on a un petit chiffre de 3 27 633 dollars. Voilà, voilà pour tout ce qui est, voilà, pour terminer, tout ce qui est chiffre de ventre, tout ça, de vente, pas de ventre, ça se sent que je pense que je parle du nez, voilà, pour tout ce qui est les chiffres de vente, donc j'espère que ça vous aura plu, tout cela, petite transition, via un long message d'une quasiment quinzaine de minutes, pour, voilà, vous parler de la licence et de d'essayer de vous faire une petite ouverture d'esprit, bref, vous avez joué un petit dialogue de fin de vidéo pour revenir globalement sur tous ces chiffres-là, après cette petite transition. Et voilà. Voili voilou, comme vous l'avez vu, la licence Resident Evil Biohazard est une licence ultra vaste, variée, et qui tente encore de se varier après 28 ans de contenu assez quand même régulier, comme vous avez pu le voir avec tous les chiffres, tout cela. Il n'y a pas une année depuis 96 où il n'y a pas eu au moins un contenu Resident Evil ou Biohazard. Des centaines d'œuvres racontant des choses différentes, parfois avec des similarités, mais en changeant des personnages et lieux, ça crée des changements dans cette ressemblance. On a le droit d'aimer un style, les goûts et les couleurs comme on dit. Mais renier des autres styles en disant ça c'est pas du Resident Evil, ça c'est pas du Biohazard, juste parce que ça ne nous plaît pas à nous, bah dans les faits non. Les œuvres Resident Evil Biohazard restent des œuvres estampillées Resident Evil Biohazard par Capcom ou créées sous cette bannière. Notre vision de l'œuvre n'est pas forcément celle derrière son développement par ses développeurs créateurs, en sachant que leur vision évolue afin d'aider à cette diversité et qu'on ne tourne pas en rond avec un certain style. Des idées de base n'y sont plus ou moins présentes, soit par évolution des mentalités dans les développements, soit par l'évolution in-game de l'histoire et des personnages par exemple. On va prendre le cas du zombie. Les zombies sont importants, oui de base, mais dans toutes ces œuvres, plusieurs n'en comportent pas, car le sujet principal c'est l'idée du risque danger biologique. Qui ça, se retrouve dans chacune des œuvres, d'où le nom original de la licence, Biohazard.
Les œuvres sont majoritairement pensées sous cette appellation et pas pensées comme des Resident Evil. L'évolution de l'histoire a permis de varier les dangers biologiques et pas juste rester avec les zombies, même s'ils restent présents encore dans certaines des dernières œuvres sorties, comme par exemple Death Island ou encore Infinite Darkness, à la fois la série ou le comics Infinite Darkness The Beginning. Voilà, les zombies restent présents, mais il n'y a pas que ça, parce que voilà, la licence a tenté de se varier. Le principe d'armes biologiques pour utiliser sur les champs de bataille évoqué dans Resident Evil 96, donc voilà le premier, les origines de la licence, se montre dans des épisodes comme Resident Evil 5, 6 ou encore 7. Voilà, 5, 6 et 7, pourquoi il y a du caca lié au danger biologique? Parce qu'il y a des sociétés qui ont voulu servir de... qui ont voulu créer des armes biologiques et ça s'est soit mal passé ou soit ça s'est passé volontairement. 5, 6 c'est volontairement et le 7 c'est, entre parenthèses, involontairement que les Bakers ont subi les effets de la création d'armes biologiques. Prouvant bien que l'histoire a évolué pour permettre de placer ses objectifs pensés à la base. Et comme avec n'importe quelle arme à feu, crée une diversité de choix pour que le camp adverse ait des surprises. Parce qu'utiliser qu'un seul type d'arme à feu, le camp adverse va comprendre et tenter de trouver un moyen de contourner cette arme à feu. Or, avoir d'autres armes sous le coude va déstabiliser l'adversaire. Pour vous placer dans l'univers, c'est pareil avec le virus T et du coup les zombies. Oui, ce sont des armes sympas, mais certains ont trouvé des moyens de les contourner. Bah, par exemple avec le vaccin Daylight ou avec les équipements de Blue Umbrella qui permettent de déstabiliser les zombies et que du coup les mercenaires puissent passer à travers. Or, par exemple, c'est plus compliqué avec du Plaga ou du Mutamine 7. Donc voilà, une variété d'armes, une variété d'armes biologiques, une variété de virus, tout cela. Et on peut pas rester qu'avec une seule variété, une seule souche de base, par exemple, qu'avec le virus T et des zombies, parce que sinon, au bout d'un moment, on aurait tourné en rond. Et concernant l'utilité de base de vouloir utiliser ça sur des champs de bataille, et les gens se seraient vite retrouvés à court face aux créations qui s'est faites entre-temps, comme je vous l'ai dit, avec les vaccins ou sinon les équipements pour les contrer via leurs faiblesses. Mais, voilà, pour ça, il faudrait déjà, pour comprendre cette métaphore comparaison, il faudrait déjà s'intéresser au fond, et pas juste à la forme des œuvres. Et pour ça, je conseille beaucoup d'écouter les dialogues de Buddy dans Resident Evil Damnation, qui explique bien cette comparaison entre, voilà, utiliser une arme à feu ou utiliser une arme biologique. Dans les faits, ça reste la même idée. Et voilà, il y a beaucoup cette idée-là de vraiment d'utilisation des créatures, tout cela, en tant qu'arme biologique, parce que les gens sont là pour avoir peur, voilà, ils veulent un zombie pour avoir peur, un liqueur pour avoir peur, sauf que oui, des armes font peur, mais des armes, la principale utilité, c'est surtout de s'en servir pour, entre parenthèses, la guerre, pour combattre, et c'est l'utilité de base qu'a les virus dans l'univers Resident Evil Biohazard. C'est, voilà, ça a été pensé pour être mis sur le champ de bataille, même si, voilà, il y a l'idée de Spencer derrière pour évoluer l'espèce humaine également. Mais voilà, on ne va pas être là pour débattre non plus sur tout cela. Vous avez l'idée globalement, comme quoi, pourquoi on n'est pas resté qu'avec du zombie et pourquoi on a évolué dans la licence. Et tout ça, donc voilà, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure avec ce monologue de la diversité notamment, c'est ça passe également par tout plein de types d'œuvres différents. Des jeux vidéo, oui, il y en a, oui, la licence a commencé avec ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a des films, séries, romans, comics, mangas, jeux de société, des pièces de théâtre, des documents spéciaux, des livres, des bouquins, et voilà, c'est ultra diversifié comme vous l'avez vu dans tout le reste de la vidéo, et c'est pour ça que limiter la licence à quelques jeux, c'est très réducteur sur cette licence que l'on est supposé aimer et mettre en valeur. Là, je vais vous prendre un petit code, pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment apprendre à diversifier la licence quand on parle aux gens. C'est que, par exemple, si on parle à quelqu'un qui est uniquement intéressé par des mangas, voilà, on va lui parler de Resident Evil. Mais si on lui parle que des jeux, vu que lui, il est intéressé uniquement par le manga, et par tout ce qui est manga, lecture, tout ça, et ben, quand il va entendre que Resident Evil, c'est que des jeux, il va être en mode, ça m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est des mangas, des romans, voilà, lire, tout cela, moi, je suis plus ça plutôt que jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que moi j'invite vraiment les gens à vraiment diversifier et pas juste dire Resident Evil c'est des jeux et vraiment dire Resident Evil il y a de tout et de rien. Et comme ça, là, cette personne là, en apprenant que voilà, il y a des romans sur des Desperi, il y a des mangas, dont certains en plus qui sont vraiment canons, et cette personne là du coup va avoir une porte d'ouverture pour entrer dans la licence Herobio. Et en lisant par exemple ces mangas, ces romans, il va peut-être se dire, je commence à m'intéresser à l'univers tout cela. Et ensuite, il va se dire,
Et je vais tenter, bah, je sais pas, par exemple, de voir les films d'animation, de voir les films live action, et il va pouvoir se mettre un peu plus encore dans la licence Resident Evil Biohazard, plutôt que si quelqu'un lui aurait dit, bon, Resident Evil c'est que des jeux, pff, voilà, il n'aura pas eu forcément le petit intérêt derrière. Et pour terminer, voilà, toute cette outro de vidéo, je terminerai par dire que le seul chiffre qu'on ne pourra jamais donner exactement sur la licence Resident Evil Biohazard, bah, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans la communauté. Que ce soit les membres lambda ou connus, que ceux qui ont découvert juste une ou deux heures, ou ceux qui ont tout fait, tout vu, tout lu, ceux qui passent leur journée à en parler, ou ceux qui profitent dans leur coin, les speedrunners ou ceux jouant les touristes, ceux qui préfèrent un type d'œuvre RE comme ceux aimant juste les films, ou juste les romans, ou juste les jeux, et plein d'autres profils différents. C'est la diversité de la communauté, mais derrière se trouve le même sentiment envers cette licence, de l'amour, de l'intérêt. La différence, c'est à quel niveau est cet amour ou cet intérêt pour la licence. Mais est-ce que cela vaut l'utilité de se faire la guerre ou se rabaisser, premier degré, à longueur de journée quand on voit l'étendue de cette licence qui essaie de plaire le plus possible à tout type de profil par la diversité de ce qu'elle propose? Restons ouverts d'esprit avec cette licence ouverte à la diversité de contenu et donc ouverte à une grosse diversité de sa communauté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu avec tous ces chiffres et puis voilà ce petit monologue de fin pour vraiment permettre de faire réfléchir un peu autour de la licence parce que cette vidéo-là j'ai vraiment eu envie de la faire bah déjà pour remettre entre parenthèses les pendules à l'heure avec voilà le terme de contenu qu'il y a autour de la licence parce que voilà. Entendre 28 ans après que les gens réduisent Resident Evil à juste des jeux et que si tu n'as pas fait un jeu en particulier, bah tu n'es pas, entre parenthèses, légitime de parler de la licence. Bah non en fait, parce que la licence ne se résume pas qu'à des jeux. Il y a bah, tout plein d'autres types d'œuvres. Personnellement, j'ai peut-être fait, vu ou lu des œuvres que les gens qui viennent me juger parce que j'ai pas fait un jeu n'ont pas fait, pas vu, pas lu. Et bah du coup, est-ce que moi du coup, je suis pas dans le droit aussi de leur dire ah bah t'es pas par exemple un vrai fan parce que tu n'as pas fait ça tu n'as pas vu par exemple je sais pas la pièce de théâtre parce que tu n'as pas lu le manga Prelude to the Fall voilà c'est pour ça qu'il faut se remettre un peu dans le cas que la licence est ultra vaste et que la communauté est ultra vaste également et que oui à certains niveaux comme je disais d'appréciation il y en a qui aiment la licence il y en a qui aiment juste une œuvre en particulier et que c'est tout mais bah cette personne-là qui a tout fait, tout vu, tout lu, que une qui a fait une ou deux œuvres, ou qui a juste vu par exemple les films live action, bah toutes ces personnes-là, bah on se regroupe tous sous l'onglet de la communauté Resident Evil Biohazard, parce que bah voilà, on fait partie de cette communauté, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est juste des degrés d'appréciation qu'il y a au milieu, mais venir juger juste sur ça. Voilà, c'est pas ouf parce que, pour mettre à la place, on a tout le temps quelqu'un au-dessus de nous, quelqu'un qui a fait tous les jeux, mais qui a jamais lu les films d'animation, et ben il y a peut-être quelqu'un qui a fait tous les jeux et vu les films d'animation, donc cette personne se place au-dessus, et cette personne qui se place au-dessus, techniquement, bah ne va pas venir juger l'autre. Après voilà, il y en a sûrement et tout ça, mais vous avez compris l'idée de se remettre à sa place aussi, c'est très bon, et d'arrêter d'aller juger les autres et de balayer devant sa porte. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là, avec voilà, tous ces chiffres, tout ça. Donc j'espère que ça vous a quand même un peu ouvert les yeux sur le côté de la licence pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette grosse diversité. J'ai vraiment voulu appuyer sur le point de la diversité, autant en termes d'œuvres, en termes de contenu, en termes de communauté, parce que voilà, on est à 28 ans de la licence et il faut vraiment prendre en compte cela, que bah, on a une licence diversifiée et qui tente de se diversifier et qui va encore sûrement se diversifier à l'avenir et qui tente plein de choses pour essayer de voilà de plaire à beaucoup de gens donc autant les anciens les nouveaux les récents les futurs fans les futures personnes qui vont aimer la licence voilà c'est moi c'est ce que j'essaie d'ouvrir parce que voilà encore une fois on est tous sous la même onglet de communauté les futures personnes qui vont rejoindre en jouant ou en regardant une œuvre tout ça bah, vont rejoindre cette communauté et essayons d'avoir voilà un bon environnement pour pouvoir aimer cette licence-là et pas se tirer dans les pattes à chaque vidéo, à chaque contenu, à chaque post Twitter, à chaque commentaire, tout ça. Voilà, c'est ce que j'essaye de prôner via cette vidéo-là, de la bien-pensance et de l'ouverture d'esprit surtout.
Je vous inviterai, pour ceux qui n'y ont pas vu, aller voir bah, du coup les trois premières vidéos. Donc la première qui est sur le canon, la deuxième sur le semi-canon et la troisième sur le non-canon. Où les œuvres que je vous ai parlé aujourd'hui, je vous les résume rapidement. Je vous redis encore une fois sur lesquelles plateformes sont sorties tout cela. Donc voilà, je vous envoie vers tout cela. Je mettrai sûrement le lien en description de la playlist. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager pour que les gens, voilà, pour ouvrir la... Bon, voilà, parler aux gens de l'ouverture d'esprit et tout cela, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et vive la licence Resident Evil Biohazard!